Bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes qui nous rejoignez ce soir pour un nouvel épisode de DN Discussion qui va être ce soir consacré à un sujet qui nous est cher, un sujet proche de nos cœurs, la mort de nos personnages. Comment la gérer sur le moment, comment la gérer après et comment essayer de faire en sorte, dans la mesure du possible, pour l'éviter. Puisque la plupart du temps, elle est quand même évitable, on va dire. Alors, c'est les trois sous-thèmes qui vont nous occuper donc ce soir pour l'intégralité du podcast, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout après les événements récents de vendredi et samedi, sur lesquels je ne m'avancerai pas plus, si vous n'avez pas vu les deux campagnes respectives. C'est cela. Alors, mort de PJ, mort de personnage joueur, comment la jouer sur le moment? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque, dans une campagne, un de vos personnages vient à s'éteindre sur le champ de bataille? Qu'est-ce que ça vous fait? Et comment vous gérez ça sur le moment, déjà? Que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ, hein, lorsque vous avez un joueur qui vient à mourir. Alors, avant toute chose, j'aimerais faire la distinction entre mort volontaire et mort inattendue. D'accord. Y a des morts qui sont volontaires parce que ton perso est arrivé au bout de son arc. J'ai pas la cam du Truzugal sur le live. Ton perso est arrivé au bout de son arc, ton perso a fini son histoire, ou alors t'as la situation du noble sacrifice, genre je suis face au BBEG, je vais me sacrifier pour la cause, mais ça vaut le coup. Et ça, c'est des trucs auxquels toi t'es préparé, c'est-à-dire que c'est un choix joueur, entre guillemets. Ton perso va mourir. Du coup, ça, encaisser, c'est facile. Soit la campagne se termine et ça, tu t'en as rien à foutre, dans ce cas-là, t'as la mort la plus noble qui soit et l'histoire la meilleure pour la fin de l'histoire. Soit ton perso a fait un truc entre-temps, mais du coup, t'es déjà prêt à relancer sur ton reroll et entre guillemets, tu t'attendais à cette mort. Enfin, du coup, tu t'y es préparé. Ouais. Et après, il y a la deuxième mort, qui n'est pas du tout prévue par qui que ce soit. Ouais. Qui fait que du coup, ça va faire chier sur les backstories des gens qui sont liés à ce personnage. Ça va faire chier sur le fait que personne n'y était préparé, pas même le joueur. Donc le joueur va parfois devoir prendre du temps pour imaginer un reroll, un autre perso. Et va devoir du coup réaviser la manière dont les événements sont déroulés. Ok. Alors, mort sur, en général, c'est quand même celle-là qu'on se bouffe. Hein. On va pas se mentir. Ouais, c'est généralement c'est ça. J'allais dire. Assez grave. Principalement de la volontaire, oui. Après, tu peux avoir aussi des morts planifiées, mais que tu planifies un peu dans l'urgence au final, où c'est, tu vois, c'est genre. Il y a une situation inattendue dans laquelle il y a un mec qui doit se sacrifier pour que le reste puisse s'échapper. C'est pas forcément un truc que t'as prévu depuis longue date, ni toi-même, ni avec ton MJ. Et c'est quelque chose qui, du coup, je trouve dans la... C'est moins brutal, mais ça reste quand même dans le registre de l'émotion, proche de la seconde possibilité, au final. Ouais, mais... Alors pour ça, je vais prendre le... Je vais prendre le cas Macap, qui est où le perso, que ce soit au bog ou avant, était prêt à mourir si c'était nécessaire, parce qu'il se sentait le plus vieux, il avait de toute façon plus beaucoup de buts, etc. Lui, il était prêt à faire ce sacrifice, tu vois. Donc, en gros, il y aurait eu une situation d'urgence, ce personnage était déjà prêt à se sacrifier. Et moi, j'étais déjà prêt à partir sur un reroll. Après, effectivement, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est effectivement, tu vois juste que le combat il est loose et que il y aura peut-être un survivant, mais pas plus. Et que tu y vas en te disant, ok, je vais mourir, mais pour que les autres persos vivent, c'est un contexte qui est aussi assez proche du second. Ouais. Après, dans tous les cas, ça vient surtout à dire au revoir à un personnage que vous avez joué pendant 10h, 20h, 50h, et que ce soit volontaire ou pas volontaire, que ce soit préparé ou pas préparé, ça reste une expérience quand même assez particulière. C'est ça, ça fait quand même toujours... Ouais. Et pour le coup, après tu te demandais ce que c'était exactement, j'aurais différencié genre plusieurs phases, parce que du coup, je sais pas si c'est...
spoiler que... Toi, t'es passé par plusieurs phases, ouais. C'est ça, et en fait, j'ai l'impression que... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand Ectosis parlait de reroll qu'il fallait préparer quand tu t'y attendais pas, moi, pour le coup, je m'y attendais pas. Mais en fait, avoir un reroll qui n'est pas préparé, ça permet de s'occuper l'esprit et passer à autre chose très vite après pour ne pas être frustré du jeu de rôle. Et je trouve que c'est cool de justement ne pas avoir un... que ça soit pas juste mécanique en mode ok, celui-là est mort, j'en ai un qui vient derrière et ça va, tu vois. Mais à refaire l'effort d'en recréer un et ça permet justement de passer à autre chose. Ce qui est plutôt. Après, ça reste un jeu et j'étais quand même dans tous les cas prêt à ce que mon perso meurt, tu vois. Mais. Du coup, tu parlais des phases que tu as pu expérimenter dernièrement. Est-ce que tu peux nous les citer, s'il te plaît? Alors, moi, j'aurais dit déjà la première, c'est la première chose que tu dis, c'est. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? C'est-à-dire que tu penses pas tout de suite... T'es un petit peu dans le déni en mode, mais attends, mais... pourquoi est-ce que je suis mort? Où est-ce que j'ai fait une connerie, quoi? Ensuite, tu discutes avec le joueur, tu vois où est-ce que t'aurais pu faire des choses différemment. C'est ce qui s'est passé donc, juste après la séance. Toi, t'as été dans le déni pendant toute la séance, quoi, du coup. Bah, en fait, je comprenais pas pourquoi j'étais mort. Je vous l'ai dit après, hein. Ce que je dis, par exemple, je savais pas que je pouvais fuir, tu vois. Donc, j'étais pas en mode, il est pas mort, j'étais en mode, j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur. Je me suis fait baiser, monsieur le MJ. C'est moi qui l'ai baisé. Non, c'est pas ça. Moi, à ce moment-là, j'étais en mode, c'était l'aider, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est plus ou moins le cas. J'étais en train de me dire, je peux pas faire différemment, c'est parce que j'ai pas réussi à monter le talus. Ensuite, j'ai pris des attaques qui étaient au-dessus de mon bouclier, et c'était pas de chance, tu vois. Et en fait, effectivement, il y avait quelques trucs que j'aurais pu changer. Mais sur le moment, tu les vois pas. Et ensuite, l'autre étape, c'est le moment où tu réalises les heures passées avec ton perso. Tu réalises le moment où tu l'as créé. Parce que c'est... ensuite, t'as les implications que ça va impliquer, que ça va faire pour la suite. Et c'est le moment où t'as intérêt à créer un autre perso pour ne pas vouloir arrêter, quoi. Après, personnellement, la dernière étape, c'est souvent celle qui est la plus facile, je trouve. Alors, enterrer son perso, c'est compliqué. Parce que. T'avais un tas de trucs, t'as souvent beaucoup de plans prévus avec lui, t'as des tas de relations que t'as avec les personnages que t'aimais bien, et tu sais que tu seras obligé de faire un personnage qui sera quand même, dont le fonctionnement sera différent de ton précédent, sinon, ça sert un peu à rien au final. Je suis là pour venger mon frère, moi, ce genre de truc. Mais avec le Nego Show. Mais du coup, la phase de création de nouveaux persos, c'est toujours un peu excitant parce que t'es vraiment. Tu reviens un peu pré-campagne où tu te dis comment je vais pouvoir faire un truc qui va être intéressant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec lui, qu'est-ce que le MJ va prévoir pour ce perso, et quelle nouvelle mécanique je vais pouvoir utiliser. C'est assez cool. C'est toujours triste, mais je trouve ce sentiment un peu grisant, finalement. Et c'est aussi le moment où ça te rappelle aussi pourquoi tu joues. C'est-à-dire que tu te dis pas que je joue pour un perso, tu te dis je joue parce que je veux l'histoire, je veux le RP, je veux le. Mais en fait, la mort, c'est ça. Et du coup, le fait de se remettre dans ce contexte-là, perso, en mode je me détache du truc, ça remet dans la position du joueur, en fait. Qui est plutôt très bien, je trouve. Après, pour en revenir avant d'arriver à la création du nouveau perso, arriver à la mort du perso existant. J'aimerais savoir comment chacun vous le jouez, en fait, quand ça vous arrive. Parce qu'on a vu les phases un peu émotionnelles qu'on pouvait traverser lors de la mort du personnage avec Trusugal. Mais comment vous le jouez, vous aimeriez que ce soit joué sur l'instant T, vraiment. J'ai perdu un perso dans la campagne 1. T'en as pas perdu 2, en fait, toi? Non, je crois pas. Je crois qu'on n'y a perdu qu'un actuellement. J'ai perdu que Linval. Seul, ok, tant pour moi. Et sauf si on considère que Dinafane est mort, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Du coup, je trouve que toi, Eldril, tu la gères plutôt bien, et au final, nous, on se reçoit un peu tout dans la gueule sur le moment. Du coup, en fait, on digère plus qu'on joue vraiment la mort. Il y a évidemment le choix de... Là, c'est un peu changé, où tu choisis d'avancer vers... les Corvéillons, je crois. C'est ça. Bon, là, il n'a pas eu trop le choix, le pauvre. Mais, les Corvéillons, qui sont, alors, dans la campagne du samedi, des entités qui travaillent pour la déesse de la mort et qui sont chargées de récupérer les âmes lors du décès. Alors, je te rassure, hein, Gwledin, Taïdin n'auront pas le choix non plus, je pense.
Mais je pense pas non plus. Mais du coup, c'est... au final, on... tu t'occupes, enfin le MJ, donc toi, s'occupe de toute la description de la mort, et du coup, on a tout ce qui arrive sur nous, et puis on laisse faire au final. Il n'y a pas vraiment à le jouer sur le moment. Alors, c'est bon. on va y revenir si tu le veux bien. Juste, tu disais que du coup, c'était, tu trouvais que c'était géré de manière intéressante dans la campagne. Est-ce que tu peux décrire ce que tu trouves d'intéressant en fait ? Essayer de le disséquer un petit peu. Toi ou quelqu'un d'autre. Hein. Déjà, la musique qui fait peur. Enfin, non, elle fait pas peur, mais genre, il y a une musique très particulière. Mm. Et à chaque fois que je l'entends en dehors d'une scène de décès, je suis en mode pourquoi quelqu'un est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un est mort. Mais cette musique déjà fait très bien le taf, faut dire ce qui est. Et après, souvent il y a l'image de l'âme qui se détache et on observe la scène depuis le dessus, depuis à côté. Et du coup, ça montre tout ce qu'on est en train de perdre. Et ça continue. On a des petits derniers mots et tout ça. Enfin bref, je trouve que toute la mort est bien faite, est bien gérée. Okay. C'est l'impression que en fait l'âme a la chance de partir apaisée au final si tu choisis d'aller vers le corps veillant. C'est une façon de dire que tu fais la paix avec avec la mort de ton perso d'une certaine façon. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose que nous. C'est quelque chose que nous joueurs avons du mal. Bah, que moi j'ai personnellement beaucoup de mal à ça, c'est que quand mon personnage meurt. Je suis toujours en train d'essayer de me rattraper aux branches, mais ça c'est pas possible, il y a un truc que j'ai oublié, ou quelle mécanique j'ai. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Et alors que j'aurais plus déjà être dans bon, comment mon personnage devrait réagir à ce moment-là, quelles sont ses dernières pensées, et ça c'est quelque chose qui, dans le personnage, devrait être préparé. Là. Parce que justement, j'aimerais bien revenir, parce que Cobra parlait des derniers mots. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse justement côté joueur et dans votre RP, c'est quels sont les derniers mots que prononce votre personnage, quels sont ses derniers gestes, pour en revenir au fameux... Attends, c'était... Alors, c'était pas tuer ses fils de pute, c'était quoi ? C'était termine ses fumiers, je crois. C'est quelque chose sur la ligne de Gwledin termine ses fumiers. Mais je pense que du coup, Flu l'a très très bien dit, moi j'aurais pas dit Samuel, c'est-à-dire que sur le moment, tu penses tellement à qu'est-ce que j'aurais pu faire. T'écoutes plus ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, toute la partie, le début de la partie de la mort que tu as décrite, je me souviendrai pas maintenant si je regardais pas la vidéo. Tu vois. Ouais. Alors que pourtant, c'était assez intense. Il y a aussi les démons trahis en fait. Parce que moi, je me suis bouffé le 3-2-1 sur les échecs de save. Ça fait mal. Et c'est genre vraiment. Les dés, quand tu lances et tu dis « Allez, il y a peut-être un espoir, peut-être une réussite critique, et je suis stabilisé tout de suite », et puis non, bah tu te prends un échec, et un deuxième, et puis t'es mort, en fait. Du coup, adieu, mec. Et ça, c'est encore un truc, quand tu perds ton perso, c'est pas ma faute, c'est pas que ma faute, c'est la faute des dés. Après, je vais être un peu violent, mais en général, bon, ça dépend des MJ, hein, ça dépend, entre guillemets, de ton tavernier, quoi. Si ton MJ, normalement, il fait des combats équilibrés, normalement, il y a toujours une mécanique qui fait que tu t'en sors. C'est-à-dire que, tu peux te faire karma sur tes death saves. Ouais. Mais normalement, il y a toujours une situation où tu peux t'en sortir en amont, et ça, c'est ce qu'on va aborder en deuxième partie. Ouais. Qui fait qu'en fait, généralement, quand je prends du recul, ou quand je vous insulte après en vous disant « Mais putain !» Les gars, Kirelia, on aurait pu la sauver, etc. Et Gwledin, d'ailleurs, m'explique en RP pourquoi Kirelia devait mourir ce jour-là. Et c'est vrai. Mais il y avait effectivement un moyen de faire qu'elle s'en sorte en vie. Pour Hyacinthe, il y avait encore d'autres moyens. Mais en gros, normalement, ton équipe est faite de telle manière à ce que tu puisses t'en sortir. Et ensuite, sur l'autre truc par rapport au dernier mot, moi, je viens d'une école où on a fait tombe Overor, quoi. Donc des persos qui meurent en boucle, genre vraiment l'usine où t'as 4 persos qui passent dans l'heure. Alors c'est bien, t'as pas forcément le temps de t'attacher, mais du coup tu prends quand même le... Enfin j'ai pris le pli maintenant de m'imaginer, enfin ça fait partie des détails de mon perso, c'est sa relation à la mort, sa relation à la vie. Par exemple, Maka qui va crever, c'est quelque chose de très différent que Tianor qui va crever sur plein de points. Je sais pas si je... Ouais, non, je vais pas en parler.
ça n'intéresse personne de toute façon. Non. Maka pour Maka, mais si Anor, je pense pas. Anor, c'est... Bah, Maka, vraiment, dans l'état dans lequel vous l'aviez laissé, il était fatigué du monde. C'est-à-dire que pour lui, c'était plus une libération. C'était... Ouais! Fuck it, j'ai fait ce que j'ai pu. Et si tu veux, genre, lui, pour le coup, il aurait couru vers le corps vide, quoi. Genre... C'était bon, il avait pris sa dose d'elfe, il avait pris sa dose du monde de merde, les dieux humains qu'il maudissent. Vas-y, je me taille. Tianor aura un rapport très différent à ça, de la même manière que, bah, par exemple, Kiri, sur le moment, elle était en mode « c'est pas possible, moi je veux la vie, tout ça ». Et Truzugal, c'était « non, mais le combat, il est pas fini, on va tous les défoncer ». La diplomatie au niveau 100, genre « politique de la terre brûlée, faut que vous les butiez tous ». Mourrez voilà. Avec eux s'il le faut, mais emportez-en le plus possible dans votre tombe. Adieu. Bah ouais. Pour le coup, c'est pas faux. Enfin, genre, je pense que je l'aurais fait dans tous les cas, mais par contre, c'est juste que c'était pas les derniers mots, quoi. C'était pas la bonne. C'est un peu l'héritage maudit au final. J'aurais pu me contenter de l'image de l'âme qui vole en gueulant sur Gwledin, mais genre, c'était l'image de silence ou en mode, c'est l'âme qui est en mode. J'ai envie que ça continue, mais sans qu'il y ait de derniers mots, parce que c'était vraiment des derniers mots de merde, quoi. Et c'est, je pense que j'aurais préféré en fait, qu'il ne dise rien à ce moment, en mode, bah, il est mort, et en fait, surtout qu'il soit empalé, quoi. Donc, s'il est mort, il est mort. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est des derniers mots de merde. Enfin, d'un point de vue purement méta, c'est de la merde, parce que moi, tu m'as mis dans une position de merde. Et donc, pour cette raison, on peut regretter ces derniers mots, mais je trouve que pour le coup, ça cristallise très bien, enfin, de ce que j'en ai compris du moins, ça cristallise vraiment très bien les dernières pensées de ce qu'aurait pu réellement ressentir Hyacinthe, de vraiment la rage. Bah, de chercher la vengeance, quoi, et ouais. De ne pas avoir une approche très diplomatique, parce que étonnamment, Hyacinthe n'avait pas été renommée la masse de la très diplomatique. Il y avait quand même un antécédent. Non, j'approuve l'intégralité des propos de Zubdak là-dessus. C'est très très Hyacinthe comme dernier mot. Ouais. Ouais. Et absolument pas choquant, enfin, c'est tout à fait logique. Mais ça m'aide dans la merde. à plusieurs niveaux, hein, ça. On va dire. Ah ouais, bah, jusqu'au bout. Parce que, alors. Pareil, question qui va être un peu difficile parce que ça touche beaucoup de situations différentes et c'est très contextuel. Mais. Quand vous avez sur le moment un membre de votre groupe qui décède, que c'est pas votre personnage, mais que votre personnage est confronté à la mort d'un des membres du groupe, comment vous réagissez? Et selon vous, plus exactement, quelles sont les bonnes réactions selon vous à adopter? Quel est l'état d'esprit dans lequel se mettre pour réagir de manière RP à ces moments-là? C'est dur en vrai. La question est dure parce que ça dépend beaucoup du perso. Ouais, ça dépend beaucoup du personnage, ça dépend beaucoup du contexte. La relation qu'il peut avoir avec le décédé. Avec le groupe, ouais. Donc, ouais. Après, dans tous les cas, j'ai juste rajouté ça. Indépendamment du personnage, ça reste un joueur avec lequel vous avez fait peut-être 30, 40, 50 séances, et même si vos personnages ne s'entendent pas forcément, il y a quand même forcément un lien qui va s'être créé, même si c'est pas. Pas un gros lien d'amitié, ça peut être un lien de rivalité. Plein de liens différents qui peuvent se former à ce niveau-là. Du coup, ça reste toujours une expérience un peu particulière, quel que soit, je pense, le lien que vous entretenez avec le PJ en question. C'est pour ça que j'ai hâte de voir comment Kirilla va réagir à la mort d'Hyacinthe. Ça va être très, 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 très drôle. Ça, on va en parler dans quelques instants. Je pense que. Alors, Gwledin, vas-y, et après Flun. Ouais. Je pense qu'il faut toujours. Peu importe le personnage etc., qu'on joue, il faut toujours que ce soit une réaction logique, que ce soit toujours que ce soit réaliste. Et il faut pas. La mort d'un personnage, c'est important, c'est un RP finalement. Enfin, c'est le dénouement d'un RP d'un personnage, quoi, finalement. Et tu peux pas juste laisser décider tu peux pas laisser dominer le méta et te dire que je peux pas faire ça parce que même si c'est ce que mon personnage ferait, ça va me mettre dans la merde. Je trouve que c'est un élément, enfin c'est un moment trop important pour qu'on s'occupe du méta et de continuer. Alors que, enfin, je pense que vraiment le RP doit primer dans tous les cas, ouais. Même si c'est pour certains personnages, ça peut finalement, enfin, finir dans une dans une
dans un comportement complètement autodestructeur pendant une ou deux séances parce que le personnage est au fond ou des réactions extrêmement violentes, etc. Parce que c'est la mort d'un personnage, ça va être l'un des catalyseurs émotionnels les plus puissants pour tes personnages. Et si là-dessus tu fais pas un truc qui dépasse un petit peu, enfin qui dépasse les bornes, bah finalement ça perd un peu de la vie du personnage. Ouais. Surtout, avant de laisser la parole à Flynn, je veux juste rebondir sur ce que t'as dit. Catalyseur, un des catalyseurs les plus puissants pour la construction du groupe et pour le PJ qui meurt, ça, c'est aussi le dernier souvenir qu'il va laisser dans le groupe, qu'il va laisser à tout le monde en fait. Les derniers mots, c'est probablement les mots sur lesquels on va quitter le personnage, c'est l'image sur laquelle on va quitter le personnage pour toujours. Et je vais me permettre de rebondir aussi quand on dit ouais, d'accord, on va pas trop méta. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais faut éviter aussi que ça devienne une boucle où on passe de l'enterrement d'un perso à celui de 4. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est une partie qui est très très tendue parce que c'est à la fois un moment trop important pour que tu. En fait, c'est un moment à la fois trop important pour que tu puisses méta en général parce que qu'on fixe les bases et c'est pour ça que je trouve que la réaction de Kiri à la mort de. La mort de Hyacinthe est très différente d'une mort classique, c'est que ça sera sûrement un moment qui interviendra dans un moment de calme en termes de RP et pas dans un combat. Et quand c'est dans un combat, c'est là où c'est super attendu parce que c'est très important de rester le RP et en même temps de rester dans le combat. Parce que si tu, si jamais tu rates ton truc, si jamais tu te concentres qu'on RP, ce sera pas un personnage que tu enterras à 1004. Et inversement, c'est un moment qui est tellement catalyseur que tu peux pas te permettre de faire comme si de rien n'était. Donc il faut vraiment réussir à prendre ses actions pour que ça soit lourd en termes de RP. Mais qu'en même temps, le combat se poursuive et que faut vraiment dissocier les mécaniques du RP, c'est vachement compliqué. Je trouve. Je pense notamment au côté. C'était moins tendu, mais le coup de la louve de Weledin. Ouais. C'était pas évident là-dessus parce que c'était clairement pas la fin du combat quand c'est arrivé. Quoi. Ouais. Justement, alors... ce qui était intéressant, je répondais juste à ça, je te laisse la parole juste après, Recto. C'est que la louve de Gweledin, c'est Blaise, du coup, qui a péri également il y a quelques épisodes. C'est arrivé pendant le combat, donc sur le moment, comme dit Flynn, c'est vrai qu'il y a la charge d'adrénaline, le fait que bon, c'est triste, quelqu'un a perdu son PJ, mais on veut pas perdre le sien non plus, donc on reste concentré dans le combat et dans les mécaniques et dans la stratégie. Et du coup, comme on a le cerveau qui est dans cette stratégie, on n'est pas forcément branché sur ce côté émotionnel de « Oh non, mon ami est mort ». Après, du coup, la louve de Gweledin, l'enjeu, à ce niveau-là, ça a vraiment été après le combat, lorsque Gweledin, justement, a monté le bûcher funèbre avec vous, a fait brûler le corps, le silence qui s'en est suivi, le temps que vous avez passé à ses côtés pour essayer de le rassurer. Et c'est peut-être 10-15 minutes après la mort de Blaise elle-même, que subitement il y a cette lourdeur en fait de la mort qui est tombée sur vous en fait après le combat quand l'adrénaline est retombée et quand il y a eu ce moment justement de paix en fait pour enterrer pour brûler le corps. Après pour le coup qui était pour moi qui était vachement important c'est que Zubdeg à ce moment-là a fait un truc que je trouve génial c'est qu'il s'est arrêté de combattre et ça aurait pu avoir un impact mais ça, même moi je combattais à ce moment-là j'étais en mode je continue à combattre mais en tant que joueur je me suis dit ok il est prêt à complètement arrêter le combat alors qu'on était dans la merde quand même. Pour Salou. C'est-à-dire que tout fait silence à côté et il fait ça, quoi. Je trouvais ça très très cool. Ouais. Rectosis ? Gwell, oui, parce qu'il est Beastmaster. La différence entre la mort qu'on a eue la semaine dernière, même la mort de Kiri quand elle est arrivée et que 24 heures plus tard, elle a rip-hop, c'est des choses très différentes en termes d'enjeux et d'interactions que la mort d'un pet. Et alors, j'aimais bien Blaise, je me foutais beaucoup de la gueule de Blaise, mais ça restait un pet. Avec lequel, étonnamment, celui qui a dû avoir le plus d'interactions, ça doit être Tianor. Parce qu'il a pris sa place pendant 2 heures. Donc c'était un truc dans lequel on n'avait pas d'enjeu par rapport à Blaise, on n'avait pas tant d'investiture ni de relations. Que par exemple, Kiri qui crève quand t'as Maka à côté et les autres, leur relation par rapport à Kiri et le débarquement de Taeline après le pétage de plomb de la séance d'avant, ou la mort de Hyacinthe qui va niquer géopolitiquement une bonne partie de la campagne.
C'est ouais, je vais juste un peu de cette nuance. Aussi, genre, encore une fois, la réaction de la mort d'un pet, ouais, c'est exactement ce qu'a dit Ectosis. Hein. Pour nous, joueurs, elle n'est pas aussi importante que pour... Enfin, nous, joueurs, j'exclus Gwaedin, parce que lui, pour le coup, il doit être vraiment touché. En fait, il n'a pas trop le choix. Sinon, c'est bizarre. Mais les autres, en soi, on n'a pas vraiment à être extrêmement touché par sa mort. Même si... on l'a quand même été. Et il l'a super bien joué, d'ailleurs. Gwaedin. Et en fait, ouais, même en tant que Beastmaster, la mort d'un pet est différente que la mort d'un... Des compagnons. D'un compagnon. Ouais. Mais c'est différente, ne veut pas dire moins importante. Et la mort de Blaise était bien plus impactante que la mort de Hyacinthe, puisque quand Blaise est mort, c'est littéralement Gwaedin. Enfin, genre, Gwaedin s'est juste fait arracher une partie de lui-même. Mm. Et donc, ça fait un énorme vide et un énorme traumatisme directement sur le choc. Quand Hyacinthe est mort, il n'y a pas eu de vide. C'est juste la rage qui a tout remplacé, quoi. Mm. Surtout que c'est plus ou moins. Enfin, genre, c'est sur un échec critique que ça s'est passé, en plus. Ouais, en plus, le fait que c'est moi qui ai tué Blaise aussi, bon, il y a de ça qui joue. Ça aide pas, quoi. C'est vrai. Je me suis bien qu'il y avait un détail comme non, ça. Ouais, non, mais c'est... Ça, J'avais oublié ce détail assez sordide. Moi, pas. Ouais. Moi, j'avais un doute et j'hésitais à le rappeler. Ouais, c'est moi qui l'ai mis à terre et après, c'est Legend qui a mis Naoe et qui l'a fini. C'est vrai. C'est vrai. Là-haut, ça, je m'en souvenais, j'avais oublié que c'était toi qui l'as mis à terre. Putain, c'est dur. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est. C'est pas dur. Non, c'est un peu la soirée de la dépression ce soir. Bienvenue, venez avec nous. Mais c'est un truc. On est bon. Et pour le coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. Moi, un autre aspect, je sais pas si vous en parlez maintenant ou après, c'est le. En tant que joueur qui est mort, c'est l'attente des réactions que je trouve particulièrement excitante. Bah, justement, en fait, ça, tu fais ma transition, yes, Trusiu, je te remercie infiniment. Okay. Je vais juste nuancer avant, en disant que... ouais, certes, c'est toi qui l'as mis à terre, etc., et que c'est un compagnon, mais ça aurait pu être bien pire, c'est-à-dire que t'aurais pu avoir mis au sol ton clerc, tu vois, d'une flèche dans le dos. Non, mais là, ça risquait pas, vu que vraiment, j'étais à l'opposé du combat. Bien fait. Ça aurait pu être... Mais c'est ça qui a été assez terrible pour Sebas, c'est que lui, il a... Bah, en gros, il y a cette perte pour Gwaedin qui est vachement importante et qui impacte un peu quand même le reste du groupe. Et il y a Sebas qui, à côté de ça, aurait pu potentiellement la sauver, mais qui était pas mis hors d'état de nuit, entre guillemets. Il pouvait même pas prodiguer le moindre soin de là où il était. Et du coup, c'est un peu pour... Il n'a rien pu faire de tout le combat, c'est assez terrible. Alors, dans cette impuissance. Ouais, ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Mais du coup, j'aimerais en venir, puisque la transition m'a été apportée sur un plateau d'argent par le Sieur Trusugal, au cœur de la soirée. C'est-à-dire, une fois que le personnage est mort, le MJ a décrit la scène comme il a pu, vous avez joué, vécu la scène comme vous avez pu. Comment le gérer après, en fait? Comment... Gérer la mort d'un personnage, bon, sur le moment, on en a un petit peu parlé, du coup, dans le combat, par exemple. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est surtout bah, dans le moment de calme qui va arriver après, où il y a cette réalisation qui va frapper le groupe de se dire subitement, mais lui, on ne le reverra jamais, en fait. Il est parti pour toujours, et c'était la dernière fois qu'on entendait sa voix. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que quelqu'un d'autre va prendre sa place? Et quelles vont être en fait les conséquences de ça? Sachant que ça, c'est vraiment la partie intéressante parce que c'est ce qui varie le plus entre les personnages, entre les PNJ, puisque ça dépend vraiment du lien que chacun entretenait avec le PJ qui est décédé. J'ai ajouté aussi qu'il y a une délicatesse aussi, c'est que souvent dans les campagnes, quand un PJ meurt, t'as toujours un qui reprend sa place. Et bon, d'ailleurs, c'est souvent, hein, c'est parfois. Ouais. Tourné en comédie hein, dans certaines BD, mais ce côté remplacement, il faut vraiment, c'est pas facile à bien gérer pour le rendre organique finalement. Après, si ça te dérange pas, j'aimerais bien finir là-dessus sur l'emplacement, enfin finir cette sous-partie sur l'emplacement et parler du trou qu'il y a avant le remplacement. Ouais. Pour garder un peu l'ordre chronologique. Merci. Du coup. Déjà... Bah en fait, comment est-ce que vous pensez gérer la disparition d'Hyacinthe?
Bah là, il y a beaucoup de regrets, de ouais, mauvais choix, ouais. Pour, ouais. Étant donné que Sebas s'est séparé vachement vite du reste du groupe. Ouais. Tianor, au final, c'est pareil. Enfin, on s'est tous séparés, et du coup, on est tous plus ou moins dans l'état où bah, j'aurais dû le suivre, en fait. J'aurais peut-être pu éviter ça. Alors. Donc, il va y avoir ce coup-là qui va arriver, forcément. Oh. Ouais, cas, alors, avant que Ectosis rebondisse, justement, ça, j'aimerais creuser un peu là-dessus. Parce que souvent, quand vous allez avoir un PJ qui va mourir, c'est pas exceptionnel que ce soit dans le cadre d'un combat qui était peut-être trop dur, ou qui a mal tourné à cause des dés, ou parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Et souvent, quand on va avoir une mort ou deux morts, c'est parce qu'on a une scission, en fait, du groupe. Soit parce qu'on a une partie du groupe qui a split d'elle-même, qui a décidé de se séparer du reste, qui est par exemple tombé dans une embuscade et qui a péri dans cette embuscade. Ou parce que le combat semblait si défavorable qu'on a certains DPJ qui ont préféré fuir pour essayer de sauver leur vie, ce qui est un réflexe qui est humain et compréhensif. Et dans ces cas-là, notamment dans les cas de split, comme on a eu samedi, comme on a pu avoir aussi un peu vendredi, comment est-ce que le groupe se reforme, en fait? Et est-ce qu'il y a encore un groupe qui existe? Est-ce que l'objet groupe existe encore après ça? Alors, ça, ça dépend de chacun. On a eu Gwaledine après la session qui nous disait « Moi, je veux mettre une balle, maintenant. » On a Kirelia Humen qui a fui alors qu'elle était à côté des deux avant que l'un des deux meure, sachant que Gwaledine n'est toujours pas sorti d'affaire. Ouais. Je ne remets pas en cause la décision de Kirelia, qui pour moi est... Et on a Sebas qui s'est dit « Oh putain, merde, ma famille !» Chose pour laquelle on peut pas vraiment lui en vouloir. Et on a Taelin, les absents ont toujours tort. Alors Taelin a toujours tort, les absents ont toujours tort, alors Taelin absent... De toute façon, là on était dans une situation, et ça c'est, on va revenir dessus après, c'est comment gérer les informations que le MJ te donne. Ou de toute façon, les premières personnes à avoir eu l'info, bah, c'était Goulet d'Inetier, les deux ont dit fuyer. Et puis après, avec un manque de chance, il y a eu une dernière défense gondoréenne qui s'est faite autour d'une colline. Dans laquelle on a décidé que la personne avec le plus haut statut et le plus gros grade était celle qui devait tanker. On n'a rien décidé. J'ai décidé parce que Hyacinthe et parce que Trunigal aussi. Voilà. Alors que j'ai décidé quelque chose, ça n'a pas été respecté. Sachant qu'ils sont restés sur leur colline vraiment, alors que pendant ce temps-là, moi dans le chat, j'étais en train de dire non. Alors j'ai réussi à en virer 15 au début, mais par contre ils vont revenir au bout d'un moment. Et en plus, il y avait le décompte des tours sur le fait qu'ils allaient revenir. C'était jouable. Ouais, on va en parler à la fin du podcast. Mais non, voilà. Donc, on est dans une situation de merde, et après, il faut voir du coup qu'est-ce qui fait les liens du groupe et les définir. Pour Thier et Gwaledine, ça va. Normalement, on a de quoi travailler pour se forcer un peu à refaire le groupe et à aller de l'avant. Alors, ça, justement, j'aimerais bien en parler un peu. Parce que justement, redéfinir ce qui fait le lien du groupe à l'occasion d'une mort de PJ, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Et notamment, bah, dans le cas de Gwaledine et Tianor, à la base, protéger le prince Hyacinthe, faire son éducation, est-ce que c'était pas parmi les priorités que vous aviez, en fait, en tant que membre du groupe? Alors, écoutez, lui comme moi, on a fait ce qu'on a pu, ça je peux le défendre devant un tribunal. Après, comme je l'avais dit dans la session, en me foutant sur la gueule avec lui, c'était une jeune pousse irresponsable, irascible et absolument incompétente. Je l'ai lâché 2 minutes, il est mort. Alors, je rappelle l'adage, des morts, tu ne diras point de mal. Apparemment, ça ne vaut pas pour Tianor. Mais, c'est ça, que je disais tout à l'heure, j'avais hâte de voir les réactions, j'ai hâte de voir notamment Tianor... c'est vraiment, en fait, j'espère que ce qui se dit maintenant, ça sera fait en RP à ce moment-là, parce que c'est trop marrant, en fait. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu fais beaucoup plus chier que ça au niveau de mon lore. Ouais, pour ça que je lui pose cette question, parce que moi, j'en sais un peu plus. Voilà. Mais ouais, du coup, surtout, ma question sur comment le groupe se recompose après ce fiasco tragique. Elle vaut en particulier pour Gwaledine et Porti, parce que eux, ils avaient. En fait, vos backstories étaient vraiment très liées à la personne de Hyacinthe. Et du coup, comment. De base, c'est les elfes.
Comment vous restez dans le groupe, en fait? Comment vous comptez rester dans le groupe sans Hyacinthe? Est-ce que pour vous, le groupe a encore du sens sans Hyacinthe, en fait? Le groupe aurait... Ce qui est sûr, c'est que le groupe aurait pu avoir du sens s'il n'y avait pas eu ce côté où, où vraiment on s'est retrouvé tout seul sans le groupe. C'est-à-dire que là, la conséquence de la mort dans cette circonstance de Hyacinthe, c'est que si Golénine survit et va revoir Sebas, Kyria, Taïline, bon, peut-être pas Tianor, parce que bon, j'ai quand même vu ce qu'a fait Tianor, qui a quand même éloigné la moitié de la troupe. La première chose, c'est qu'il va instantanément les accuser de la mort d'Hyacinthe. Parce que, parce qu'ils n'étaient pas là, parce que Kiri était trop occupé pour décocher un carreau, trop occupé à fuir, j'entends. Sebas était trop occupé à aller prendre le thé. Taïline était trop occupé à lire des parchemins. Comme d'habitude, je crois. Ouais, et du coup, il va y avoir énormément de ressentis. Et ça va être très très difficile. Enfin, je pense pas que le groupe extra-Golédin peut être assez facile à reformer. Ouais. Mais c'est pas Golédin qui va participer à la reformation du groupe, mais plus qui va essayer de s'y réintégrer. Si une telle idée lui passe par la tête. Ouais, alors que Tianor, pour le coup... Alors, il va partir... Spoiler, il va faire cavalier seul un peu. Mais il va quand même donner une notion de groupe et d'obligation qui est... Vous auriez pu tous y aider, vous êtes tous barrés comme des connards, maintenant vous avez deux choix. Ce gars-là, vous avez passé des mois avec lui, il vous a protégé dans un territoire où vous n'étiez pas les bienvenus. Vous avez le choix, vous avez l'héritage de ce que voulait faire Hyacinthe, c'est-à-dire potentiellement des alliances avec d'autres pays, protéger l'Imanemov, etc. Ce qui, par exemple, pour quelqu'un comme Kiri devrait lui parler en termes de... j'ai pas forcément envie d'être en guerre avec tout le monde et mon bled est en train de se et à deux doigts de se faire défoncer parce qu'on est toujours avec un putain de couvercle à plat autour de la gueule. À côté, il y a Sebas qui se dit j'étais occupé par mes darons, sauf qu'à la base, je tiens à dire qu'il avait la mission divine de nous aider lorsqu'on l'a chopé dans le bug de vrac, perdu au milieu des trucs parce qu'il s'est fait TP dans un truc de merde. Et pour Taïline, de toute façon, il est obligé de passer par la royauté et l'acquisition de Haut-Fée, pour la simple et bonne raison que il essaye de remonter son ordre en tant que défendeur de la reine, etc. Donc du coup, on a clairement des arguments RP. Enfin, Tianor a clairement des arguments RP pour au moins leur peser la conscience et essayer de reformer le groupe. Pas forcément dans la bonne humeur, parce que c'est Tianor, bordel. Mais au moins pour créer ces blocs-là de RP qui normalement font que ce groupe peut être constitué. Alors, petite question là-dessus. Justement, samedi, on a vu qu'il y avait pas mal de tensions qui s'étaient accumulées entre vous tous, qui ont bien éclaté samedi pendant les trois premières heures à peu près de la séance, jusqu'au moment où vous êtes arrivés à la frontière, justement. Et que... là où l'ennemi commun aurait pu vous rassembler, en fait, on a vu, ça vous a désuni, finalement. Et c'est ça qui a amené la mort de Hyacinthe, en fait. Yep. Et la question que je me pose, c'est que... C'est justement la suivante. La mort d'un personnage dans ces circonstances-là, sachant qu'on a un groupe qui est déjà un peu flottant dans ses amitiés, dans ses alliances, est-ce que vous pensez que c'est le genre d'événement qui peut le casser, qui peut casser un groupe de JDR ? Ou qui, au contraire, va être l'événement tellement marquant, l'événement de trop, qui fait que les gens vont finir par être forcés à se concentrer sur leurs points communs et à faire front, en fait, face à la mort. C'est totalement un événement qui peut casser un... Je veux dire, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Si on, là, on a géré ça tous à peu près correctement. Ouais. Mais je pense avance pas trop vite, la session est pas faite. Hein. Ouais, la session de samedi va être intéressante, je pense, par rapport à ça, parce que c'est là que le groupe il va péter, ou je pense qu'il va être soudé pour toujours. Alors, c'est pas ça. Enfin, moi j'ai pris l'aspect joueur, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que joueur, déjà ça aurait pu se casser, en fait. Parce que t'étais en mode, tu peux toujours dire un truc en mode, en fait, on est un groupe, on n'est pas un groupe de base, en fait. C'est-à-dire que je joue pas au jeu de rôle, par exemple, tu peux dire, je joue pas au jeu de rôle, je suis tout seul, je joue pas au jeu de rôle, ça et tout. Et des joueurs débutants, ou même, enfin, je sais pas, sur le coup, auraient déjà fait péter le truc. C'est des situations qui sont dures en GDR, de toute façon. Ouais.
Mais la prochaine séance montrera comment ça va se gérer entre PJ, mais je pense pas que là ça va s'arrêter pour notre séance en tout cas. Enfin, il y aura toujours moyen de trouver quelque chose. Puis, les joueurs. Après, ça par exemple, ça dépend des joueurs et ça dépend des groupes, parce que j'ai pu avoir l'occasion de jouer sur des campagnes entières avec des joueurs qui étaient dans l'état d'esprit que si leur personnage venait à mourir, ils quittaient la campagne en fait. Quitte à en refaire une autre après avec le même groupe, mais qui joue des PJ différents, etc. L'idée, c'était que, en fait, c'était un événement qui était tellement éventuellement traumatique, et ça, c'est particulièrement le cas quand, j'ai l'impression, on a tendance à jouer des personnages qui sont un peu des versions améliorées de nous-mêmes, auprès desquels on va massivement s'investir, et qui fait que, bien sûr, quand le personnage va en venir à mourir, comme c'est une version, on va dire, supérieure de nous-mêmes, une version plus grande, plus forte, plus belle, plus intelligente, plus tout ce que vous voulez, qui est vraiment améliorée par le jeu de rôle, on va le ressentir tellement personnellement et de manière tellement forte que la campagne ne saurait continuer, en fait. J'ai juste rajouté un truc. Ça peut même être, je pense, poussé à l'extrême, c'est-à-dire que vous avez des joueurs qui vont réagir comme ça s'ils perdent leur PJ. Je pense que ce genre de joueurs est aussi capable de réagir de la même façon si il y a un proche ennemi du PJ, un proche compagnon du groupe qui vient à mourir aussi, en disant c'est pas possible, je peux pas continuer de jouer dans ce cadre là parce que pour moi je faisais cette aventure aussi pour être avec cette personne du groupe, et maintenant qu'elle est morte, j'ai plus la foi d'être un aventurier, je deviens tenancier de taverne quoi. C'est typiquement le cas de Goulin dans ce truc-là, ouais. En fait. Alors, on va redévelopper. Il y a Flynn qui voulait dire un truc que j'ai interrompu tout à l'heure. Je crois qu'il y a Rectosis qui veut intervenir aussi juste après. Ouais, je disais juste que les versions des PJ sont généralement il y a toujours une part d'insertion de soi-même dans un PJ. Donc, c'est quelque chose qui en effet. Oui, bien sûr. Après. Ça, il y a vraiment différentes manières de jouer. C'est-à-dire que tu peux toujours avoir une ou deux qualités ou défauts de toi que tu vas glisser dans le PJ pour t'aider à le RP de manière plus fluide. Ou tu peux avoir un PJ qui est littéralement toi en mieux, que je ne conseille pas forcément de jouer sur Tomb of Horror. Parce que tu vas te faire éclater la tête dans la table dans le sol et le sol dans le parking, en fait. Même sur Tomb of Horror, au final, je trouve que ça dépend vraiment de... Plus que à quel point ton PJ le ressent, à quel point tu pas forcément investir, mais à quel point tu te sens vraiment dedans quoi. Ouais, bien sûr. Après, en général, quand tu joues justement un PJ qui est une version un peu fantasmée de toi-même, c'est justement pour faire de l'immersion, pour le voir se développer, pour le voir grandir, faire des choses. Et si tu veux jouer en fait un PJ qui est plus ou moins un miroir de toi sur Tomb of Horror pour te voir mourir cette fois dans la session. C'est que t'as un problème sérieux que le JDR ne va pas t'aider à régler. En vrai, moi, c'est ton point, je ferais tellement un personnage qui est juste moi, avec tous mes défauts, mais genre ultra, ultra pourri, et qui meurt comme un con au premier piège, ça ne dérangerait absolument pas. Ouais, alors là, c'est différent, c'est que là, c'est de la catharsis. Ça, c'est un autre problème que le JDR pourra peut-être t'aider à régler, par contre. Rectosis, ensuite, qui voulait intervenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi. Ouais, quand tu disais par exemple, en fait le cas du pop PJ qui meurt, c'est pas si fréquent que ça, généralement c'est plutôt un moteur, c'est-à-dire que c'est genre, mon pote est mort, et du coup maintenant je vais pour la gloire de son histoire, etc. Le cas de Gouledine est intéressant, parce que Zubdag a fait un très bon perso et je le laisserai développer là-dessus, sauf que Gouledine, on a un problème foncier, Gouledine, c'est que ton meilleur pote il a eu deux interactions RP avec toi, qu'on a dû aller lui faire fouiller à l'intérieur des épisodes précédents quand était la dernière fois qu'il avait interagi en individuel et qu'il a dit on va commencer par un ça va. C'est pas bon. Et en fait, ça faisait déjà un certain temps que t'avais envie de te mettre une balle en tant que Gouledin. Et je te laisse rajouter les éléments dessus. C'est peut-être la goutte de trop, quoi. Quels éléments tu veux entendre parce que les éléments qu'il y a eu dans la campagne ou... Non, je pense qu'il parle de Blaise, notamment. Purement campagne, genre entre Blaise, ta relation à ton père, que je sais pas à quel point elle t'affecte, parce qu'on en a un peu parlé, mais pas trop. Tout cet environnement qui fait qu'en fait, t'étais déjà un personnage propice à la dépression, mais là, t'étais déjà très très près de la goutte de trop, et ton meilleur pote vient de mourir.
Alors, pour reprendre la métaphore de la goutte de trop, effectivement, il y a eu la goutte de trop, mais sur le deuxième vase déjà. Le premier, ça va être déjà un moment. Pour reprendre le truc, c'est que Gwledin, à peu près n'importe qui, quand il est arrivé à un tel taux de désabusement par rapport à son père, ça fait ultra mal. Et de base, toute la douleur que lui avait en tant que personnage au début de la campagne, déjà, il arrivait à la calmer, à la caniser, à l'oublier parce qu'il avait cet objectif. Enfin, il avait un objectif clair en tête. Enfin, plusieurs objectifs, ouais. Du coup, mais. Ouais. Et au fur et à mesure que ses objectifs se passent et que d'autres éléments arrivaient, il n'a pas eu le temps de rebâtir de fondations solides, et là, il y a eu une autre traverse qui est passée. Ouais. Quoi. Et oui, Gwledin, de base, il est... Il suffit de le bousculer un peu pour que vraiment il devienne très très instable. Bah, justement, par rapport à ça, comment vous pensez... Quelle serait la recette, selon vous, pour... essayer de le RP, si ça peut aider les gens qui nous regardent. Quand vous avez un personnage qui est déjà un peu au bord du gouffre et que vous avez cet événement, la goutte de trop dans le deuxième vase, pour reprendre la jolie expression de Gwledin, qui survient en fait. Est-ce que vous êtes plutôt du parti vraiment de le faire basculer et de repartir éventuellement à zéro? Essayez de trouver un moyen, presque quitte à être limite dans le déni, mais trouver un moyen de le faire rebondir là-dessus et repartir encore plus fort en... Trouver un moyen de mettre ça un peu de côté ou de s'en servir pour devenir encore plus fort. Ou, dans ce cas-là, un peu sauter à la gorge du groupe en tentant de trouver des coupables et en partant plus dans une approche un peu vengeresse, en fait, de ça. Quand vous avez un perso qui est du coup au bord de l'abîme, comment vous comptez jouer ? Ça m'intéresse personnellement en tant que MJ, parce que j'ai des PNJ, notamment après la mort de Hyacinthe, qui sont dans cet état-là. Je pense à Elebor, notamment la reine, qui vient de perdre son deuxième et dernier fils, dont la lignée est du moins officiellement terminée depuis samedi, et qui était déjà pas très bien il y a 2 semaines avec la guerre civile qui menaçait, qui commençait à aller mieux il y a 1 semaine, puisqu'avec vos actions en Imanemov, la situation s'améliorait, elle commençait à remonter la pente, et là, il y a quasiment, j'ai envie de dire, le coup fatal qui vient de lui être porté. Si vous avez un personnage qui est dans ce cas-là, ou si en tant que MJ, vous avez un PNJ qui est dans ce cas-là, comment, dans quel sens vous trouveriez ça intéressant de le pousser, en fait? Bah, je pense que toutes les approches cheval sont intéressantes. Mm-hmm. Pour être sincère. Je trouve ça vache. La manière dont Maka a pété un plomb est devenue complètement fou, ça m'a beaucoup amusé. Le deuil, le fait d'être un peu morfond pendant un certain temps, ça peut être vraiment intéressant, surtout si ton personnage a déjà ces traits d'empathie-là au préalable. L'aspect vengeur, j'ai même vu des paladins changer de sous-classe à cause de ça. Mmh. Et ça, je trouve ça assez stylé, quand c'est bien fait. C'est ça le truc compliqué, c'est trouver le bon réglage, entre guillemets. Mais par contre, souvent la vengeance, la beauté de la chose, c'est que ça lui donne vraiment un moteur, quitte à ce qu'il insulte les morts de tous ses alliés pendant les 10 minutes. Mais voilà, donc tout ça peut être intéressant, il faut juste trouver le réglage. Et pour le cas d'Elebor, moi je te dis, laisse-moi 5 ans, comme ça je pourrais officiellement dire Hyacinthe, j'ai niqué ta mère. Alain, nous sommes venus en stream à 22h25 pour ça. Non, non. Il quitte physiquement la caméra au moment où il le dit aussi. C'est juste. C'est ça. C'est. Il a laissé tomber le micro. Il s'est levé. Il a fait ça. Il est sorti. Ah, il est légèrement fier. Il est pas très bon. Drop the mic. Leave the room. Mais ouais, on parlait du changement d'alignement la dernière fois, et je trouve que c'est parmi les solutions possibles. C'est une. Ce type de situation est clairement une situation dans laquelle un changement d'élément peut avoir lieu avec des conséquences travaillées derrière. Moi, j'aimerais juste retourner encore une fois sur Gwledin. Ouais, mais vas-y. Mais en fait, son cas, il est hyper intéressant en ce moment, donc vas-y. J'ai retourné en fait sur la Syrie, sur les événements de la Syrie. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la toute fin de la Syrie, je suis parti faire un petit marathon pendant 20 minutes. Ouais. Et pendant ce temps-là, vous avez déjà interrogé, rangé, un petit peu fouillé, etc., etc., toute la base. Sauf que moi, j'avais un plan de base, et finalement, je ne l'ai pas fait,
de devenir un espèce de deuxième Tianor. En gros, s'il n'y avait pas eu Tianor, je serais resté dans le coup. Enfin, j'aurais été dans la série et en fait, j'aurais juste passé le cap de la torture. Enfin, j'aurais torturé les soldats et probablement de manière peut-être pire que ce qu'a fait Tianor, mais même pas pour avoir des informations, uniquement pour me défouler et pour Ah non, mais après Océlina, j'ai pas demandé d'infos, vraiment... hein. Je les ai juste torturés pour le plaisir. Oui, oui, voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, moi, je suis arrivé, les soldats avaient déjà été interrogés, ils étaient déjà censés se faire torturer slash tuer par Tianor. Et du coup, moi, je suis arrivé et je pouvais rien faire. Et du coup, je dirais pas que le groupe m'a calmé, mais m'a juste empêché de faire une grosse connerie. Mais de base, du coup, s'il n'y avait pas eu tout ça, je serais passé du côté pragmatisme, qui est censé être le premier trait de caractère de Goledin, au trait cruauté. Et j'aurais littéralement pété un câble à la série et je serais devenu complètement somnolent. Vous voyez que Tianor, c'est un mec bien? Ouais, ouais, enfin, ouais. Ouais, vite fait, très vite fait. mais c'est, en fait... c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Yassin, sauf que Yassin t'aurait pas été jusque là, mais c'est le moment où tu blesses vraiment de la passion entre ton perso, même si ça peut se manifester par de la cruauté. C'est le moment où tu te dis, bah là c'est le moment où on peut se faire, où je peux justifier en fait, je peux justifier ce plaisir malsain, tu vois. Peu importe que je sois bon, alignement bon, loyal ou machin, ou peu importe, tu te dis, ouais. Bon, je là, vraiment. C'est vraiment. Il y avait même pas de justification, quoi. C'est juste. Alors, tant qu'on est là-dessus, est-ce que vous en auriez d'autres, des archétypes du deuil, on va dire, à ajouter? On a discuté du. Alors, le pétage de plomb, basculer, se morfondre, chercher la vengeance, un changement d'alignement. Qu'est-ce que vous verriez d'autre? Partir méditer. Et là, il a dit Tianor de faire que les seuls, et Golesine avait mentionné aussi. Il avait dit que. Ouais. Je crois que tu avais dit. Tu voyais bien Goledin arpenter la désir pour tuer un maximum de désirs, tu vois. Ouais. Et ça peut être intéressant comme chemin de perso. Bon, par contre, c'est pas vraiment la solution pour recoller les bouts, mais c'est une solution. Ah non, c'est un adieu. C'est un adieu à la macabre. Alors, ça, je me souviens que c'est ce qu'avait fait. C'était ce qu'avait fait Liafela sur la campagne 1, donc le personnage de Shagar, la rôdeuse. Qui avait eu pas mal de soucis avec le groupe, notamment. Alors, on avait pu en discuter un petit peu. Dans le dernier discussion justement sur la gestion de la diversité raciale, qui avait reçu quelques remarques d'un autre membre du groupe sur le fait qu'elle était elfe, qu'il avait mal pris, et qui avait pris une ou deux séances en fait, vraiment pour vivre son aventure de son côté, et en fait essayer de réfléchir à ce qu'elle tirait du groupe, d'à quel point elle en avait besoin, de ce qu'elle lui apportait pour mieux revenir plus tard, mais qui a quand même pris du coup deux bonnes séances en dehors du groupe pour essayer de chercher sa voie en fait. Mais après t'as aussi les cherche-gloire qui vont même pas chercher la vengeance, qui vont juste en fait vivre la part de l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qui vont essayer de finir la quête en fait, coûte que coûte, qui avait été entamée par leur compagnon mort. C'est ça. Ouais. Mais aussi qui vont du coup aussi vivre entre guillemets la part de l'autre, c'est-à-dire que c'est le gars, tu sais, dans cette espèce de relation un peu malsaine, et un mélange de déni et d'acceptation, qui fait que le gars il se dit mon pote est mort, écoute, maintenant je vais faire les 10 000 coups, je vais faire tous les trucs que je peux faire, les plus stylés du monde, et je vais rappeler à tout le monde le nom et l'existence de mon pote à la base de cette aventure, quoi. Ouais. Là, tu vas essayer de racheter tout le monde en glorifiant celui qui est mort. De ton pote, ouais. Lié à ce que tu es en train de dire, je vois aussi une forme de quête d'hédonisme derrière. L'idée de rechercher tous les plaisirs de la vie de manière un peu autodestructrice d'ailleurs, histoire de se sentir vivant et de se sentir un peu invincible. Ah non, mais ce serait l'approche Tianor, mais après il y en a qui sont plus soft que moi, et qui vont juste, genre par exemple, dire « Ouais, ce dragon, c'est moi qui l'ai défoncé, mais si je l'ai défoncé, c'est parce que je dois ma vie à ce mec-là. » Et c'est vraiment des gars en fait qui vont chercher à marquer leur nom dans l'histoire. Ouais. Pour marquer surtout celui de leur pote. Ouais, ok. Je vois. Un peu comme finalement une sorte de chevalier, de chevalier qui va combattre pour sa dame, sauf qu'au lieu tu remplaces sa dame par le compagnon. Ouais, c'est ça. Par le compagnon mort auquel il doit sa vie, quoi.
Ok, est-ce que vous verriez autre chose éventuellement comme forme de deuil que peuvent prendre les PJ de manière intéressante? Bah, ça va être le même type que la méditation, ou lui, ça va être la prière, méditation. Quoi, parce que, l'aphasie aussi qui est un peu sur le. Encore une fois. Ouais. Clune. Ouais, tu vas voir l'aphasie aussi qui est un peu sous dans le même registre que le fait de se morfondre au final, mais qui est légèrement différente. C'est l'approche que j'avais prise avec Ikeris, c'est pas une approche que j'avais. Que je crois avoir bien mise en œuvre. Je suis pas super satisfait de ça. Mais, du coup, là, ce serait peut-être l'occasion de changer, de partir sur autre chose. Le truc qui est très spécial avec Yacinthe, c'est que c'était à la fois quelqu'un qui était alors qui a été intemporairement leader durant le temps en Eternity Manimov pour des raisons évidentes, mais qui était relativement avec lequel tout le groupe n'était pas d'accord et il y a eu pas mal de clivages, que ce soit entre Tianor et Hyacinthe, entre Kiri et Hyacinthe, je sais pas si Hyacinthe moins parce que c'est basse, mais même entre Taline et Hyacinthe aussi par exemple, ce qui fait que ça va pas être la même réaction que si c'était quelqu'un qui était universellement aimé, par exemple. Ça va pas forcément être chouette, il est mort, si tu veux, mais. L'approche va être quand même plus. Il y a quelqu'un qui est universellement aimé dans notre groupe ? Tianor. Alors, de lui-même, oui. Je ne rappellerai pas les événements de la série. Ah non, mais aduler de tout le monde, les faits inclus, regardez, il y a 2000 pixies en train de l'aduler dans les jardins du palais. Oui. Oui, Tianor. Oui. Et moi, je pense que. Elles t'ont parlé, les pixies, récemment ? Elles t'ont dit quelque chose ? Elles t'ont peut-être dit de brûler des choses ? Ne faut pas les écouter, Tianor. Non, je crois que les pixies, j'ai voulu aller parler, mais en fait, ça avait trop de bruit. C'est le clank-clank des chaînes toute la journée, ça tape sur la tête. Oh, c'est terrible. Ils ont dû faire des toutes petites chaînes, n'est-ce pas ? Alors, il y a. Un autre point que j'aimerais aborder. Il y a deux autres points que j'aimerais aborder. Déjà, c'est comment, on va dire, comment vous pensez que vos personnages vont vraiment ressentir la mort de Hyacinthe, en particulier dans le contexte en fait de la session de samedi où, comme on l'avait dit, il y a toutes ces tensions qui ont éclaté, Hyacinthe qui a mis la pelle à tout le monde pendant 3 heures sur tout le chemin sur la sortie d'Imanomov, ce qui était assez RP parce qu'il y a alors le côté départ de son foyer qui devait être assez lourd pour lui, le fait qu'il allait devoir trouver un moyen de se légitimer toujours comme leader et comme diplomate en n'étant plus sur les terres de sa famille. Et donc ces tensions-là aussi qui font que je pense que Hyacinthe, d'un point de vue RP, alors, a pu s'attaquer à Tianor, il a dit des trucs assez vénères à Kirelia. Non, soyons honnêtes, il se trouve que Flune est à la ramasse en début de session. Oui. Non, mais je parle pas que de ça, je parle aussi de toute la partie quand vous étiez en train de marcher dans la forêt, que le moment où vous avez vu Mardewal, que c'était assez tendu quelques secondes avant qu'elle arrive. Les relations avec Sébas, sa divinité, ce qu'il recherchait, n'était pas forcément très clair non plus. Et du coup, dans ce contexte-là, comment vous pensez que votre perso va vraiment vivre le moment exact où on voulait apprendre la mort de Hyacinthe, après les discussions que vous avez pu avoir, qui étaient parfois assez caustiques, hein, samedi. Alors, dans le cas de Kiri, je pense que... Alors, il pourrait y avoir un côté, c'est la faute de Kiri, mais c'est pas le genre de Kiri. Dire que c'est sa faute. Alors, plutôt, je pense, au contraire, un sentiment de renforcement des convictions. C'est-à-dire que savait que c'était une tuerie de rester sur la colline. Il est resté sur la colline, il est mort. What a fool. Mais c'est le moment où tu dis que tu pouvais mettre la main au moment où tu tombais de la colline au début, parce qu'au début je t'ai suivi, et c'est le moment où tu te dis ok, t'es parti en haut de la colline, tu voyais que je retombais, j'arrivais pas à remonter, et je t'ai dit à un moment du coup tire des carreaux sur les assaillants, tu vois, et tu t'es barré, et c'est le moment j'ai entendu avant de voir ce qui s'est je suis resté pendant quelques temps, le temps de voir ce qui se passait. J'ai vu que la situation était désespérée et que j'étais redit que la situation était désespérée, qu'il fallait fuir, et j'ai fui. J'ai pas fui en catimini. Il y a un autre truc aussi, c'est que personne n'a aidé Hyacinthe à grimper la colline debout. C'est pendant qu'il était en train de glisser en bas. C'est vrai. Ça, j'y ai pensé après. Ouais.
Guerrier Rose notamment, c'était... après ouais. Ça, c'était difficile de penser, moi pour le coup je blâme pas le The Black, pour le coup moi j'aurais pas pensé non plus, c'était de dire au Guerrier Rose de me tirer quoi, puisque c'était logique dans la RP, en plus les Guerrier Rose étaient là pour moi aussi. Donc, mais pareil, bon, ça, par contre, par exemple, de même les gens qui arrivaient pas à monter avec toi, ils pouvaient te pousser, de même les gens qui avaient réussi à monter sur la colline auraient pu te filer un coup de main pour essayer de te tirer de la même manière. Je pensais à ça avec Kyrelia notamment, parce que Kyrelia, je pense Cord. Et donc du coup, forcément. On peut parler justement des cordes de Kyrelia, quoi. Non, justement, pas ce soir. Ce sera pour un autre sujet. Non, c'est trop long. Je crois que j'ai pensé à la corne, mais vu que Hyacinthe a dit à Kiri de tenir et d'attendre de tirer, ça faisait plutôt en mode. Toi, fais le mieux pour le groupe et ne m'aide pas, grosso modo. Et je pense que c'est là-dessus, c'est pour ça que après, j'ai pas à repenser. Non, mais faut arrêter de croire que c'est un adulte indépendant qui a pas besoin d'aide, Hyacinthe. Ça faisait depuis le début de l'accession que je vous le disais, bordel. J'ai hâte d'être à samedi, ça va être épique. J'avoue que, ouais. Du point de vue Tianor, reparlons du point de vue Tianor. Tianor, comment vas-tu prendre, justement Ça, j'ai déjà bossé un peu avec qui est dessus. Ouais, on a prévu des trucs pour samedi, ça va être sympa. Tianor, en fait, il va de nouveau être face au constat suivant. Vous êtes tous des incapables, mais ça, il le savait déjà. Tianor étant le seul capable, hein, ce qu'il ne rajoute pas. On vous a donné la garde de l'enfant pendant 5 minutes, il est mort. Il a été retrouvé noyé dans son bain avec de la javel. Non, mais c'est ça. Alors. C'est genre... je prends la moitié de la charge, j'arrive à faire diversion, je me planque, je survis, vous êtes 4, il y a 200 mètres de forêt à parcourir, qu'est-ce qui s'est passé, bordel, vous êtes des elfes il est pas parti. Cobra, voulait juste rebondir. J'ai un peu vite fait, Sébastien s'était séparé dès le début, Tianor était encore... Sébastien était le premier à se mettre à courir, vers Alonzala. Alors, pour le coup, j'ai couru en premier à la forêt. Hein. T'as la séance. Je suis le premier de partir vers la forêt. Moi. Ouais, okay. Ouais, t'es le dernier à avoir réussi à monter à Quavine, mais oui, t'es le dernier à partir parmi les gens de direction de la forêt. Oui, non, faire, oui, bonne correction. C'est pour ça que Kyrelia, que tu disais, pensait rester en bas. C'est-à-dire que moi, j'imagine la scène en tant que joueur. Enfin, si tu veux, je pense pas à Métas en ce coup-là, je me dis, ok, Kyrelia voit Hyacinthe dire en premier, on va vers la forêt. Il monte, il descend, et après je dis du coup je peux plus monter, ils arrivent trop près, moi j'aurais pensé qu'Alia se serait dit ok, il pense en gros que c'est fini, enfin qu'il y a pas le choix, et c'est pour ça que après c'est ce que moi j'ai pensé sur le coup, c'est ce que je vous ai dit après, je pensais que c'était fini, qu'il y avait plus d'options pour monter. Et peut-être que Kyrelia à ce moment-là, après je dis pas que c'est ta faute du tout, c'était une option parmi tant d'autres, Kyrelia aurait pu se dire ok, j'ai peut-être une fraction de secondes pour tendre la corde ou essayer de le faire monter pour qu'il puisse finalement arriver sur un poil de cul à s'en sortir. Tu vois. Alors, je voulais savoir, on a beaucoup parlé de la vie de Gouledine et Trusu et de Hyacinthe, pardon. J'aurais voulu entendre la vie de Sébastien juste avant. Je voulais savoir si Rectosis avait fini parce que je veux pas le couper dans sa lancée. On a voulu rebondir. Non, j'ai juste 2-3 trucs à dire. C'est que Tianor comprend le dicton un mauvais ouvrier a de mauvais outils. Apparemment, je dois être un mauvais ouvrier parce que mes outils sont nuls. Et du coup, on va essayer de faire que ça se bonifie et qu'il devienne utile, ce qui serait déjà un grand effort. Mais par contre, ça va être marrant parce que je vais pouvoir ressortir le Tianor des Tréfonds, le Tianor que vous n'avez pas connu, le Tianor des guerres rébourgeoises d'antan. Et ça va être fun. C'est lui qu'on appelait le Louguet. Le Louguet. Non, celui qu'on appelait le kidnappeur, la bête sauvage. Ouais, le Tianor Terboulet, ok, très bien. Je... celui qu'on a surnommé la bête de Thivaudan. Qui à l'époque développait des sortes de torture, je pense savoir comment il allait traiter le rébourgeois de cette semaine. Et. Genre, c'est ce Tien-là qui va ressortir. Alors que là j'étais loyal mauvais, principalement loyal, là je vais être principalement mauvais. Mais ça va être un plaisir à jouer du coup. Bah oui, j'imagine. Toi tu prends beaucoup de peine avec ce perso, ça se sent. Ah mais complètement. C'est un grand pied, Tian. Après le problème c'est que du coup, ça va aller sûrement à l'encontre d'un
plusieurs personnes dans le groupe au final. Et ça va pas être facile à jouer, ça très gros, je pense. Attends, juste avant que Sébastien intervienne, je dirais juste une chose. En plus, il y aura probablement une autre personne dans le groupe. Je sais pas comment encore ça va se passer. D'ailleurs, Adriel, il faudra qu'on discute ça dans les prochains jours. Mais dire que il y a en plus ma responsabilité, ce sera d'intégrer un truc dans ce bordel, en fait. c'est terrible, comme parce que ouais, ça pareil. C'est vrai que alors c'est d'autant plus terrible que, en fait, celui pour lequel c'est le plus dur, c'est le nouveau PJ qui vient boucher le trou qui a été laissé par l'ancien, que le groupe va pas forcément vouloir intégrer comme ça, parce qu'en général, quand on vient de perdre quelqu'un, accueillir quelqu'un d'autre, c'est toujours très compliqué d'un point de vue émotionnel. Et bah, c'est d'autant plus terrible que la personne qui va avoir du mal à s'intégrer au groupe, c'est le PJ du joueur qui vient de perdre son personnage précédent, en fait. Et donc, c'est double peine. Alors ça devrait être une discussion MJ joueur, mais j'espère juste, et je le prie, qu'on évite d'avoir le traitement Sébas. C'est-à-dire à savoir, mon dieu m'a parlé, je me suis fait TP là, je suis au milieu de la cambrousse, j'ai rien à foutre là, personne ne devrait m'avoir déposé là. Qui a fait son sac de téléportation, je ne sais pas, mais c'était vraiment un fumier qui t'aimait pas. On a déjà fait un truc pour le nouveau perso d'Hyacinthe. Enfin, de tout cas. Ça c'est. Je vais, pareil. Truc intéressant, je vais t'appeler Hyacinthe pendant encore un moment, je pense. Oui. Mais comment. Mais, du coup, je laisse Sébastien parler, ça on verra ça ensemble après, tu vois. Mais ouais. Finir la conversation déjà. Mais du coup, je serais curieux d'avoir également le. Juste avant de passer au dernier sujet qui va aller assez vite pour ce soir. Sébastien, comment. Genre en plus, toi tu viens de retrouver. Sébastien vient de retrouver ses parents à Lonneville. Village qui est clairement sur le front actuellement de la guerre entre le Rebuff et la Desia, qui est menacé directement par les armées du général Machivrain. Comment est-ce que, dans ce foyer qu'il vient de retrouver, qui est en danger en plus, il va accueillir la nouvelle de la mort de Hyacinthe, en fait, qui va venir le frapper à ce moment-là? Bah, le truc, c'est que, justement, il vient de trouver ses parents. Pour lui, en fait, c'était logique d'aller là. Mais il va quand même s'en vouloir parce qu'il n'a pas suivi le groupe qui lui avait été indiqué. Donc ça va être assez compliqué, mais d'un autre côté, il a la paix du foyer, on va dire. Mmh. Même si la paix n'est pas vraiment tout autour, mais il a quand même retrouvé ses parents, ils vont bien, a priori. Ouais. Donc il est rassuré. Mais il va quand même s'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il va se demander si, au final, il n'a pas trahi les espoirs de son dieu à cause de ça. Est-ce que, et tout plein de questions qui vont se bousculer comme ça. Et c'est pour ça qu'il va beaucoup nier. Ouais. Et je dois rappeler un détail, c'est que samedi, je ne serai pas là. Ouais, je sais. Ce qui est un peu compliqué. Ah, ça va être terrible, ça. Parce que moi, justement... J'avais une question. Faudra que tu me dises un truc, d'ailleurs, faudra que tu m'envoies un truc dans la semaine Cobra pour ça. Sur ce que tu comptes faire, comme tu vas mettre là samedi, qu'on justifie. Z-Bag. C'était là actuellement, du coup, Sébastien est tout seul dans le village, enfin tout seul parmi le groupe. Ouais. À quel moment, parce que du coup, nous, on va mettre un petit moment à rejoindre le village, probablement au coup de goutte. Ouais. Peut-être, on va peut-être mettre quelques heures. Je pense au moins une bonne heure. À partir de quel moment Sébastien va se dire il y a peut-être un problème dehors, je vais peut-être laisser en plan ma petite phase de retrouvage, enfin de retrouvailles avec mes parents pour aller voir où aussi ils en sont, où en est le groupe. Parce que moi, de ce que j'en ai vu, je comprends, genre, tu viens de retrouver tes parents, c'est ultra important, on est là pour ça, on a fait le détour pour ça. Et tu pensais à peu près que tout le monde t'aurait suivi. À partir de quel moment tu vas quand même te rendre compte qu'il y a un truc qui va pas? Et qu'il y a un truc qui manque. Bah, le truc, c'est que... Mec, le thé est si bon. Il va s'en rendre. Le truc, c'est que, oui, bah, encore une fois, lui, pour lui, le dernier message qu'il a eu avec ses parents, c'est ça va pas bien, on est dans la merde, il y a un monstre, il y a de la merde et tout. Donc, voilà. Donc, il a couru là-bas. Et au final, ça va. Mais du coup, très vite, Sébastien va se dire, il y a un problème, où ils sont, enfin, comment je fais pour les retrouver maintenant? Parce que là, je vais pas ressortir alors qu'il y a potentiellement l'armée qui est juste qui est aux portes à l'entrée du village. Je vais pas m'aventurer dans Liman et Meuf alors que je sais pas du tout où ils sont. Donc, en fait,
je pense que ça va se faire assez simplement. C'est que je vais utiliser un sort pour essayer de contacter Yassin. Je pense que ça va poser problème. Donc je vais contacter quelqu'un d'autre. Et, je crois que ce sera ton dernier spell slot de niveau 3 de la journée. Yep. C'est possible. T'en as déjà utilisé. Très possible. Tu as déjà utilisé un, donc du coup ça fait qu'il y a des chances que tu, si tu envoies ton message à Hyacinthe, il n'y aura même pas de répondeur. Ce serait excellent en RP. Bah ouais, c'est vraiment très très bien. Merde, ils sont tous morts. Ah ouais, j'avoue. Je pense que ça, c'est la même chose. Au final, c'est très très beau. De ceux qui sont en dehors du groupe, ça va être Sébastien qui va être le premier à se rendre compte de la... Après, le truc, c'est que justement, comme Cobra va pas être là la séance prochaine, faut pas compter sur ce RP là, quoi. C'est vrai. Mais du coup, ça va être, je pense que ça va être ça. Tédral du tonnerre. Alors. Et puis après, me rendant compte qu'il n'y a pas de réponse, je vais dans ma PLS et puis, Et puis je vais essayer de prier pour avoir un signe divin. Okay. Alors, dernier point que je veux aborder avant la courte discussion sur la transmission d'informations pour éviter d'en arriver à la mort de PJ. C'est dans le cas où vous avez un PJ qui meurt avec... on va dire des artefacts importants, des informations importantes sur lui. Là, c'est plutôt MJ que je suis en train de m'agresser. Je sais que vous avez tous au moins une petite expérience de MJ, il me semble, même Zoidbag, je crois, qui a fait un petit peu, c'est super. Fait. En tant que MJ, là, c'était vraiment à vous que je m'adresse. Comment est-ce que vous géreriez ça? Quelles options vous pourriez offrir au groupe dans ce cas-là? Après la mort d'un personnage, que ce soit pour récupérer sa dépouille ou pour l'enterrer, récupérer des artefacts qu'il aurait sur lui, des parchemins, une carte stratégique, quelles sont les différentes options que vous pourriez ouvrir au groupe? On a discuté de pas mal de choses en MP avec Rectosis déjà. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Est-ce que vous donneriez déjà des options? Et si oui, lesquelles? Parce que là, je pense au fait que Hyacinthe avait notamment Rackler sur lui, Zaberweiss... Ouais. Un certain nombre de documents aussi officiels, d'objets divers, juste le fait aussi de pouvoir vouloir donner une sépulture à la dépouille du prince d'Imanemoff et de pas le laisser pourrir au milieu d'un charnier à Allenvel. Bah, je pense à ma campagne actuelle où j'ai failli avoir quelques morts récemment. Ouais. Et j'étais en mode, putain, je fais comment là? Donc oui, la question, je me suis posé la question aussi. J'ai pas trouvé de réponse encore. Pas tout à fait en tout cas. Je sais pas vraiment comment faire. Parce que campagne 1, pour information, il y avait, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait eu deux morts lors du... Les deux premiers morts de la campagne, Amaria et Eliaphela, c'était lors du même combat contre un archimage qu'ils avaient réussi à mettre en fuite, mais qu'ils n'avaient pas réussi à tuer. Et je leur avais donné à ce moment une quête qui avait fait une ou deux séances, je sais plus, deux séances, je crois, pour obtenir une gemme enchanté de résurrection qui pouvait fonctionner pour l'une des deux, et ça avait été au groupe de choisir qui voulait ressusciter et qui du coup il voulait laisser mort. Donc du coup il y avait cette option là de la quête vraiment spéciale que le MJ va inclure dans la campagne pour donner une option de résurrection au groupe. Après, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois, c'est certainement pas quelque chose que je conseillerais de répéter ne serait-ce que deux fois sur une campagne. Puisque ça a tendance à estomper la menace de la mort, la tension qu'il peut y avoir en combat. Et ça fait que du coup, si les joueurs savent que en cas de mort de PJ, le MJ trouvera un moyen de le ressusciter d'un point de vue diégétique, la mort a plus vraiment d'intérêt, plus vraiment de sens, et on peut tous crever sur le champ de bataille, c'est pas très grave. Et là, il y a aussi connais tes joueurs, parce que Eldril, je pense que tu sais, j'avais déjà dit plusieurs fois que j'aimais pas trop les résurrections, et du coup... S'il m'avait mis ça, j'aurais trouvé ça un peu dommage. Tu vois. J'aime bien que la mort, ce soit la mort et que ce soit... Parce que c'est dur, c'est comme ça. Après, je te dis tout de suite, Sébastien a déjà un sort de résurrection. Oui, si ça arrive par un joueur qui a un sort et tout, ça va. C'est le monde des D&D, c'est comme ça. Sébastien a un sort de résurrection. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît. C'est ça, je veux dire, c'est D&D, je sais qu'il y a du résurrection dans ce jeu-là, donc il n'y a pas de problème, c'est juste, il faut pas que ça tombe en mode Deus Ex Machina, vraiment, au dernier moment, aucune vraie raison, et après on justifie, tu vois, c'est pas... ça me va pas, tu vois. Alors, ça c'était la discussion qu'on avait chez Kev, l'autre jour,
sur le, ouais. dans les chats. Alors, si t'es clair et que t'as pas de gentle repose dans tes sorts, t'es un enculé. On va être d'accord. Mais après, certes, Sebas, c'est un sort de résurrection qui est revivify, qui est très bien. Sauf que t'as une minute pour l'appliquer. Donc, faut que tu sois victorieux de ton combat ou que tu sois en train de courir avec un cadavre sur le dos. Mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Et il faut le diamant de 300 PO, sachant que... il est sur le cadavre. Il est sur le corps de la sainte. Mais... Ouais, il est sur le corps de la sainte. Mais une minute est déjà passée le temps du salon de thé. Yep. Donc, avec les moyens actuels, de toute façon, on n'a plus non, les moyens de reste. Non, mais ça, de toute manière, c'est mort. Mais du coup, pour en revenir à la question... Quelles options vous offrez à... Quelles options vous offrez au groupe si le corps est pas récupérable, en fait? Ça, je pars du principe que du coup, le groupe a perdu le combat, a dû fuir, ou que le corps a été emporté d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous donnez une option pour retrouver le corps? Et si oui, ce serait sous quelle modalité? Facile, difficile, avec un combat supplémentaire? Comment? Ça dépend de la difficulté de la quête, si jamais on en met une. Ça dépend de l'importance des artefacts qui sont sur lui. Et ça dépend de l'ennemi qui a récupéré ou du lieu. Si on fait comme dans la première campagne, si on n'avait pas récupéré le corps avec un immuable donc qui est pas rien à combattre, si on avait dû récupérer le corps là-bas, la quête aurait été un peu difficile. Si c'est juste le dernier des bandits qui a récupéré le corps en s'enfuyant pour pouvoir essayer de récupérer un artefact juteux, ça va pas être très difficile. Je le vois comme ça. Ou si vous en avez juste dû fuir et que l'armée est partie après, bah le corps il est juste là, il y a pas. C'est pas très compliqué à récupérer. Après là, par exemple, il y a dans le cas de samedi, vous allez avoir toute une pyramide. C'est-à-dire que si vous récupérez pas le, si Gwledin ne réussit pas à récupérer le corps tout de suite, elle soustraire à la brigade de Varathlos. Le corps, il va être emmené au camp de la brigade de cavalerie. Qui va déjà être assez bien gardé, donc ça va être assez difficile. Et s'il n'est pas récupéré vraiment immédiatement dans le corps de la brigade de cavalerie, il va partir au QG de Chivrain, sur son QG de campagne, en fait. Où là, ça va être quasiment impossible à votre niveau de le récupérer. J'imagine trop le faux Hyacinthe, en fait, qui est un envoyé des Ian, qui est envoyé pour usurper le trône de Belémov. Mais... Ouais, pour ce qui est juste des objets, c'est vrai que ça dépend vachement de l'importance. Genre les objets dont les PJ, dont seul le PJ en question qui est mort, auquel le PJ, seul le PJ en question tenait, c'est en vrai ça peut être supprimable, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Non, mais là après, attention, je parle bien des objets importants, les artefacts, les objets de quête, les informations vraiment stratégiques, ce genre de choses. C'est plus de cartes du rebuff. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a plus de cartes. La carte du rebuff, je m'en fous. Je vais te le dire. Hein. Mais si jamais tu pars seul. Non, ce qui va me faire chier, ça va être. Trusu, t'es en train de parler. Fini. Bah, je veux dire, si jamais tu pars seul à un moment, les autres s'en foutent pas de la carte. J'ai envie de dire, Sébastien et Rébourgeois. Ouais, c'est ça. J'habite là-bas à la base. Donc, la carte, c'est vraiment un truc, je m'en fous. Non, moi, ce qui me fait chier, c'est Raclair. Le diamant de 300 PO parce que c'était une bague royale et tout y quanti qui va avec. Après, comment tu récupères le corps? Bah là, c'est en fonction des propositions des joueurs, je pense. Et après, c'est au MJ d'improviser avec ce qu'il a. Moi, je t'ai donné mes éléments. Gwledin t'a donné ses éléments. Je sais pas ce qu'ont fait les autres encore. Taelin pourra rien faire. Parce qu'il va apprendre ça à la dernière minute. Si tu veux, c'est voilà, il faut laisser les joueurs là-dessus gérer leur deuil et gérer leur manière de récupérer le bordel. Après, que les certaines informations qui seront propres aux joueurs mais qui vont être importantes pour la campagne que des proches du joueur en question peuvent avoir, par exemple. J'imagine que quand on apprendra que Yacinthe est mort, Erebor va sûrement envoyer des informations supplémentaires à Tianor, j'imagine, sur des trucs qui sont importants pour le royaume, mais qu'elle avait dit qu'à Yacinthe Par exemple. Après, pour répondre à ce que disait Rectosis, je suis pas tout à fait. Enfin, je suis en partie d'accord. Laisser les joueurs gérer leur deuil, ça je suis entièrement d'accord. Gérer la manière dont tu vas retrouver le corps, ça je suis d'accord. C'est une des possibilités, ce que tu dis, c'est improviser selon ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire.
Après, je pense que ça dépend vraiment du PJ, ça dépend vraiment éventuellement de ce qui peut se trouver sur le corps. Dans le cas de Draclair, vous savez que c'est un artefact qui est particulièrement ancien, qui est puissant, qui est recherché par plusieurs factions, déjà. Et je pense que dans ce cas-là, prévoir du côté du MJ un petit truc en plus, avec le cheminement que pourrait faire l'épée si elle tombait entre des mains ennemies, avec éventuellement un ou deux points où ce cheminement pourrait être interrompu. Je pense que c'est un travail qui peut valoir le coup et de pas attendre éventuellement que les joueurs demandent pour le gérer au dernier moment en improvisation, parce qu'un artefact comme ça, il va suivre un certain chemin en fait, durant le temps. Même non, si vous n'allez pas le chercher, même si vous vous intéressez pas du tout, que vous en foutez, il faut que le MJ, je pense, prévoie de son côté ce que va devenir cette épée et entre les mains de qui elle risque de tomber dans une semaine, dans un mois, dans un an en fait. Ça j'ai envie de dire bien sûr, mais pour moi en gros, c'est... ce que je veux dire par là c'est tu laisses voir tes PJ s'ils veulent récupérer le corps, et s'ils récupèrent pas le corps, tu vois les options que toi tu mets, c'est-à-dire que ça se trouve, bien sûr. Tes soldats sont complètement cons, ils vont juste l'enterrer sur place ou le laisser dans un tas de cadavres comme tous les autres. Ou alors au contraire, ils vont ramener au moins le stuff que le truc a, parce que... Alors, c'est pour ça qu'on avait dit à Hyacinthe de planquer son épée à la base. Plus ou moins fait, hein. C'est... Là, actuellement, elle est pas dans un... Elle est pas à la découverte. Mec, j'aurais dû te fourrer à la raclère. Cette épée, c'est tellement une merde incroyable. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Dit depuis la première heure. Genre, j'aurais dû te fourrer à la raclère. Mais donc voilà. Donc ça, on va voir comment ça se goupille. Ok. Très bien, bon, on a dit pas mal de choses là-dessus. Dernier point, du coup, qui va être assez court, parce qu'on approche des 23h. Comment éviter d'en arriver là? Ça, c'était le sujet final que Rectosis a souhaité rajouter. Notamment, donc, comment transmettre l'information de MJ à groupe, et notamment pour éviter ce genre de situation, notamment éviter la première cause de mort de PJ dans Donjons et Dragons et dans le jeu de rôle de manière générale, le split, la division, la scission de groupe. Les deux pélos qui se disent qu'à eux deux, ils valent mieux que le groupe de 6 et vont aller affronter tout seul. Je parle pas que de vous. Ce qui n'est pas le cas dans notre cas, c'est ça. C'est... Oui, non, attention, je parle pas de vous de manière particulière, parce que j'ai eu également un double cas de split le vendredi soir sur la campagne de Curse of Strahd. J'ai encore eu mardi au One Shot, qui n'était pas streamé, un joli cas de scission, où le groupe a d'ailleurs passé 5 minutes à savoir de qui allait mourir où, pour bien se diviser. Comment tu transmets ce genre d'informations? Juste pour nous mettre en bouche pour ce dernier mini-sujet, une petite anecdote. Puisque mardi, lorsqu'ils ont voulu se... Bon, ils enquêtaient sur des disparitions de... De Pâques. De légumes géants, pour être précis. D'accord. Et pour mener l'enquête, ils ont immédiatement, en apprenant ça, décidé de se séparer, qu'il y en avait 3 qui allaient mener l'enquête d'un côté, et 2 qui allaient aller ailleurs pour mener l'enquête. Je ne dis pas où, puisque Rectosis, c'est des gens qui sont dans le chat, on le jouait dimanche. À ce moment-là, après mon expérience de vendredi soir, où j'ai eu 3 morts, l'expérience de samedi, où j'ai eu 1 mort sur la campagne, j'ai un PNJ qui est venu, qui était à côté d'eux, hein, qui les a interrompus pour leur dire, mais on parle peut-être d'un truc dangereux, vous êtes sûr que vous voulez vous séparer? Et ils ont répondu à ce PNJ à ce moment-là, « Ah oui, non, mais vous embêtez pas, on gère. » Et ils sont séparés. Je peux dire qu'au moment où t'as le MJ qui, à travers un PNJ, intervient directement pour leur dire « Vous êtes sûr que vous voulez split de partie? Vous êtes sûr que faire des groupes, là, c'est pertinent ?» Et qu'ils te répondent, direct, sans réfléchir, « Vous inquiétez pas pour nous, on gère. » Fermez-la. Tu commences à voir les boules. Je vais ouvrir le feu et dire que ça me semble être une réponse de Killink. Comment t'as su? Ouais, non, mais je sais. Mais c'est parce que... C'était une idée de Killink à la base. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des joueurs... Tu pourras leur mettre un panneau sens interdit, un feu rouge, et derrière des blocs de construction sur la route, ils vont te dire « je vais le faire quand même ». Alors, justement, ça, du coup, juste pour... Poser la question en termes clairs, c'était la question que tu avais souhaité qu'on pose justement Recto ce soir. Comment, en tant que MJ, transmettre l'information à tes joueurs qu'il y a un danger qui est imminent sans
rompre le RP et comment, en tant que joueur, essayer de trouver des petits trucs pour éviter de s'enfermer dans un schéma de pensée du type, j'essaie de monter la colline, j'arrive pas à monter la colline, je fais face à l'armée, et même si je vois que ça va partir en couille, et bah tant pis, let's stick it to the end, et genre, je... I will do it or die trying. Parce que ça, c'est vraiment un truc... On parle de Hyacinthe samedi, mais c'est un truc que j'ai vu dans 90%, je pense, des cas de PJ qui sont morts. C'est le schéma de pensée où on se dit, je vais essayer de faire ça. Ça n'a pas l'air de marcher, bah, je vais quand même essayer de le faire jusqu'à ce que ça marche. Ça pue la mort, et bah, tu sais quoi, je vais le faire ou je vais mourir en essayant de le faire. Et comment, du coup, en tant que MJ, tu transmets l'information que non, faut essayer de changer d'approche. Ou, pour ceux qui ont plutôt l'expérience PJ, comment vous réagissez en ces cas-là pour essayer de rester adaptable et de pas vous enfermer dans un schéma de pensée, en fait. Voilà, c'est la question qui va conclure ce soir. En tant que joueur, faut pour moi poser des questions, genre essayer de demander au MJ si il y a d'autres solutions autour. C'est d'avoir une description un peu plus précise si on a manqué des éléments de décor, peut-être. Ouais. Genre quelque chose, un endroit où on pourrait se cacher, peut-être. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Donc pour moi, il faut poser des questions au MJ en tant que joueur pour voir si on, c'est pas juste un élément qu'on a loupé et qu'on s'enfonce toujours dans la même direction alors qu'il y a la solution juste à droite. Genre, essayer de grimper un mur alors qu'il y a une porte juste à droite, tu vois. Ouais, donc genre demander un indice par exemple sur une solution alternative. Ok. En tant que PJ, toujours, il y a toujours cette. C'est plus facile quand t'es habitué à ton MJ. Hein, ce qui est. Moi, j'étais avec toi pendant pas mal de temps, déjà ailé. Mmh. Quand tu dis qu'une situation est tendue et que c'est plutôt conseillé de se barrer, commence à comprendre qu'il peut se barrer. Mmh. Et c'est pas évident toujours. Hein, genre, je compare beaucoup la situation de. J'ai beaucoup comparé dans ma tête la situation de samedi dernier. La situation où on était. J'ai oublié son nom. Devant l'elfe maudite du marais du bois de Vrac. Qui. Attire-Varek, ouais. À Tervarek qui était sacrément impressionnante et où on s'est dit pendant pas le temps, est-ce qu'il faut qu'on y aille ou est-ce que c'est mission suicide? Et là, en fait, quand tu compares les deux situations, tu vois que ton MJ te dit pas du tout les mêmes, n'a pas du tout les mêmes codes en fait. Genre, il dit pas que ça sent mauvais, qu'ils sont très nombreux, qu'elle est très puissante, que vous êtes infime par rapport à eux. Et ça, c'est des signes qu'il faut. Voilà, inarrêtable ou autre chose. Voilà, c'est ça. Donner des indices dans la description des signes de la faisabilité. Voilà, exactement. D'accord. Et de manière générale. T'as fini le film ? T'as fini le film ? Vas-y. Bon, c'est légèrement différent, mais en tant que MJ, du coup, réussir à faire des rencontres non létales qui soient pas réalisables par des personnes par des groupes qui sont séparés. Genre, un peu comme ce que tu as fait. Je trouvais plutôt intéressant le côté des Brumelins sur. Vendredi soir sur Strad, parce que c'était ça, c'était. Ils avaient moyen de se. S'il y en avait qui tombaient à terre, c'était pas grave, ils avaient moyen de se soigner. Ils étaient assez vénères, mais en même temps, le combat était. Sur un groupe de 6, les dommages moyens devaient passer. Voilà. C'est ça. Et du coup, en soi, c'était plutôt intéressant. C'était bien, je trouvais, parce que. Ça n'a pas réglé le problème d'après, mais qui est un problème de joueur, je pense, plus qu'un problème de groupe. Mais je pense que ça a bien mis les mecs dans l'esprit de attention, se séparer, c'est pas une bonne idée. Ouais. Et je peux dire que j'ai vraiment eu peur de la TPK parce qu'encore une fois, c'est niveau 1. Genre, un mage à 7 points de vie, c'est tellement facile de crit et de l'overkill que déjà ce combat-là avec les deux Brumelins, j'avais peur sur le groupe de 6. Quand je les ai vus arriver à 3 dessus, pareil, j'avais vraiment les chocottes. C'est vraiment pas passé loin. Si Roran, le personnage de Kev, avait pas touché sa deuxième attaque après avoir manqué la première sur le dernier, avec sa multi-attaque, les deux autres, il y avait un PJ down, les deux autres, ils étaient à ça en PV, en deux attaques, le Brumelin, il séchait les deux, en fait. Donc ça s'est joué à une touche, en fait. Roran, juste comme ça. C'est quoi son arme? C'est Ranger. Ranger, il est à dual wielding. Ok. Double épée. Je sais pas. Et juste un petit truc qu'il faudrait que je rajoute, ça me dérange parce que ça change encore un peu de thème, mais toujours en tant que PJ,
ne pas faire des personnages qui sont prédestinés à mourir à cause de ça. Pas des personnages qui vont juste dire ouais. J'ai une énorme bête en face de moi. Ok, je vais essayer d'insulter pour voir ce que ça fait. Je ne vois pas si tu parles d'un exemple récent ou. Toute ressemblance avec un personnage okay. existant ou étant existé est purement fortuite. Ok, d'accord, très bien. Je suis bien. C'est une référence qu'on n'a pas ou c'est quoi c'est bah, faut regarder Strad, mon ami. Faut regarder Strad, mon gars. La campagne, elle est absolument épique le vendredi soir. Et moi je vais dire un truc bête, apprenez à connaître votre MJ. Ouais. Ouais si Anor il est maudit par une archifée, il y a une raison pour ça. J'ai fait plein de trucs où j'aurais pu mourir direct, mais je savais que vu les circonstances et ce que ça impliquait, il y avait peu de chances que ça arrive. Par contre, vous voyez que lorsqu'on dit il y a une charge légère de cavaliers d'Ezian, j'étais le premier à gueuler fuyer, je me suis transformé dans une de mes formes les plus rapides que j'ai à ma disposition, ouais. Et wouh oui j'ai deux choses à dire. Déjà, la première fois, une fois de plus, c'est moi qui ai en premier fuyer, et c'est moi le dernier ici, mais c'était ça. Et la deuxième chose, c'était justement, moi je pensais connaître mon MJ, et en fait, ma dernière rencontre avec un mob du MJ, c'était le poursuivant, et je me suis dit, ok, là, il y a une charge de cavalerie, c'est-à-dire que je suis dans la merde, je peux pas remonter, par contre... Soit, si j'ai, en fait, si j'arrive à un combat, soit le combat est très très dur mais faisable, c'est l'option que qui était plus probable. Soit il y aura une, en fait, ils vont me capturer, ça va être terrible, mais ils vont m'amener genre devant Shivrain et je vais me faire torturer et tout, et peut-être que je vais me faire emprisonner, il y aura peut-être une chance que je survive, tu vois. Dans ce cas-là, de toute façon, ça revient à la mort, c'est-à-dire que ton perso, il est hors jeu. Oui, c'est ça, ça revient à la, ouais, ça revient à la mort. Mais après, je me suis dit, il y a peut-être moyen de créer des, peut-être que Goledine aurait pu me sortir de là après, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Mais comment ? Mais du coup, je me suis pas dit sur le coup. Que c'était une mort certaine, tu vois. Je me suis dit, il y a encore des portes. C'était pas. Mais voilà. Pour ça que, bah, justement, comme disait Flune, qui faisait remarquer qu'à plusieurs reprises, j'avais dit qu'ils étaient très nombreux, qu'ils étaient très bien équipés, ouais. Avec tous des minimum armures de maille, voire plates. Que là, du coup, t'avais essayé. Bien formé aussi. Ça, après. Rien que Rick, la forme de l'attaque, ça montrait qu'ils étaient bien entraînés et tout. Ouais, avec les formations. Ouais. Après, il y a un moment. Ouais, je comprends ce que tu dis, Truzy, tout à fait. Après, on a eu une petite glissade. Attends, Cobra voulait ajouter un truc. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, recto. Après, on a une petite glissade qui là est purement MJPJ. C'était les distances. Ouais. Ah oui, par contre, c'est... Tu m'as fait mal à mon maître. Mais du coup, effectivement, le fait que quand vous êtes un MJ, mettez vos distances en nombre de tours dès le début, et après vous convertissez la distance de déplacement, et ne changez jamais d'unité de mesure, et ne vous embrouillez pas, et notez-le quelque part sur un calepin, sur votre fesse, j'en ai rien à foutre, vous le notez. Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait que bah, le Gondor a décidé de rester sur place pendant 3 tours, en se disant que de toute façon, la distance entre la forêt et là où ils étaient, surtout avec un prince qui apparemment ne sait toujours pas grimper des collines à l'âge de 100 ans, c'était un truc qu'il fallait attendre. Et ça a fait en fait une séquence d'événements qui a fait que du coup, et c'est justement l'autre partie de ce sujet, a contribué au fait que je pense que Hyacinthe s'est senti vraiment piégé et ne voyait plus le bout du tunnel, quoi. Ouais. Après un truc, justement, j'aimerais bien, je pense, un de ces jours faire un sujet sur les courses, comment faire des courses poursuites intéressantes. Parce que justement, compter en tour, c'est ce que je fais. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu comptes en tour, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis. Pour ça qu'on a eu un pépin samedi aussi, parce que ça, pour le coup, c'était pas un truc que j'avais pris en compte. C'est que toutes les courses poursuites que j'ai faites en 4 ans de mastering, c'était sur des poursuivants qui avaient une vitesse similaire, qui étaient à pied d'égalité en termes de moyens de transport. Donc soit des courses poursuites qui étaient à pied, ou dans le même type de véhicule, ou à cheval, par exemple. Le souci qu'on a eu samedi, c'est que j'avais prévu que vous preniez les chevaux avec vous, à la taverne, ce que vous avez oublié de faire, vous avez oublié de reprendre vos chevaux pour partir, et du coup, on s'est retrouvé sur cet état où, en fait, moi, j'avais prévu ma course poursuite en nombre de tours, en fait. Mais où du coup le nombre de tours il était plus du tout équivalent puisqu'on avait d'un côté des gens qui étaient à cheval et de l'autre côté des gens qui étaient à pied. Donc forcément l'avancée elle se télescopait un tour pour la cavalerie, c'était plus du tout la même distance qu'un tour pour vous en fait. Ce qui fait que le système que j'ai habituellement de genre la course poursuite elle dure 6 tours. Chaque tour il y a un événement à faire qui fait que les gens vont pouvoir plus ou moins avancer. S'ils réussissent l'événement ils avanceront beaucoup, s'ils échouent ils avanceront un peu voire pas du tout. Bon en fait ça s'est totalement télescopé. Parce qu'on avait deux groupes qui avançaient pas du tout à la même distance, et qu'en fait, si le groupe de cavaliers échouait modérément son jet de dressage
son jet de dressage, pardon, pour avancer, et que vous, à pied, vous réussissiez modérément votre jet de course, bah, on avait quand même des cavaliers qui allaient gagner du terrain sur vous. Et donc, ce qui fait que c'est devenu un énorme bordel en manière de... Alors, gérer les distances, ça a été un souci, mais surtout, gérer la description de la fluidité, en fait, de la dynamique de charge. Parce qu'en fait, du coup, on avait des PJ qui étaient à fond la caisse, mais qui avançaient, en fait, finalement, assez peu, par rapport à des cavaliers qui, parfois, pouvaient se manger un truc, tomber et tout, mais quand même, gagner du terrain sur vous. Et ça, ça a été le truc qui, d'un point de vue descriptif, a été l'enfer à gérer pour moi, parce que j'ai dû me retrouver à gérer un système, en fait, de course-poursuite par étape et par tour. Chaque tour, c'est un défi. Si vous réussissez le défi ou pas, vous avancez de une ou deux cases, en fait, sur ma ligne de course-poursuite. En ayant, en fait, techniquement des cavaliers qui pouvaient gagner deux cases sur vous en réussissant leur chèque, alors que vous alliez même pas gagner une case en réussissant l'autre. Et ça, du coup, pour vous faire comprendre les enjeux qu'il y avait derrière, c'est surtout ça qui a été compliqué, plus après, derrière la fatigue, comme a dit Rectosy, c'est le fait que j'ai pu m'emmêler une ou deux fois entre maître et pied dans mes distances. Parce que, bah, encore une fois, j'avais prévu un système de tours et de cases, en fait, et pas un système de distance. Parce que pour moi, bah, une case pour les cavaliers, c'était une case pour vous. Et un tour pour les cavaliers, c'est une case. Un tour pour vous, c'est une case. Et voilà. Le truc, c'est que, bah, cavalier d'un côté, gens à pied de l'autre, bah, du coup, ça pouvait plus être un tour, une case. Parce que forcément, vous avez plus la même vitesse de déplacement. Et ça, du coup, c'est surtout ça, le truc que j'avais pas prévu. Et qui fait que je me suis fait baiser samedi et que ça vous a pas aidé de votre côté. Et donc, ça, on en discutera volontiers sur un sujet consacré. Ouais, bien sûr. Yep. Il y a une chose qui m'a baisé aussi en termes de... Enfin, c'était la description, après, ça, il n'y a pas que ça, mais c'était le terrain. Moi, j'imaginais vraiment ça comme une plaine. Tu l'avais dit en description, c'est pour ça que là-dessus, c'est surtout ma faute, qu'il y avait des obstacles et tout, mais moi, je me suis vraiment imaginé une charge de cavalerie. Et normalement, une charge de cavalerie, à partir du moment où tu vois la ligne, peu importe que tu es 200 mètres, si jamais ils sont accueillis sur une plaine, ils te défoncent. T'aurais même pas deux ou trois tours, en fait. Ils arrivent sur toi en quelques minutes et c'est fini. Bah quelques minutes, alors justement ça fait pas mal de tours, tu vois. Ouais mais oui non mais ça fait quelques minutes, mais le problème c'est que quelques minutes dans la vraie vie, tu fais quoi en course à pied tu fais 3 minutes en gros pour 1 km, si t'es vraiment un bon coureur, là t'as de l'équipement, ça va te faire... Ouais après il y a un DND. Ouais déjà t'es un héros de DND et je rappelle il y avait 200 mètres, hein, pas 3 km. Comme je l'ai dit à 6 reprises. Et 400 km. Donc ouais, et le fait que tu rates tes jambes, que tu trouves face au mur, et c'est plus ou moins le cas, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est aussi le cas Tailin, de tout le monde prend une solution de portail. C'est pour ça que j'y connaissais votre MJ, c'est que on doit tous choisir un portail dans un laboratoire où apparemment vous avez libéré un démon. Je ne joue plus Maca, c'est de votre faute. Donc du coup... vous avez libéré un démon dans ce truc-là, mais au moment du choix des portails, Tailin est le seul qui prend une solution alternative, et en fait, le MJ, dans ce cas-là, il a un choix. Soit il punit l'ensemble du groupe, soit il punit Tailin. Alors, je dis pas qu'il y a des MJ qui vous puniront pas parce que vous avez trouvé une solution conne. Pourquoi punir l'ensemble du groupe ? Enfin, c'est-à-dire que de quelle manière j'en viens à punir l'ensemble du groupe ? Parce que ce que je veux dire, c'est que la situation des portails, vous aviez une énigme à résoudre. Il y avait deux portails qui étaient mauvais, qui étaient piégés, un portail qui était le bon, 5 personnes du groupe sont mis devant le bon, Tailin, qui avait un raisonnement qui était pas déconnant, mais qui était quand même faux par rapport à la logique d'ensemble, on a pris un autre tout seul. À partir du moment où le groupe est sur le bon portail, je vois pas comment aucun MJ peut en venir à punir le groupe, en fait. Non, je comprends bien ce que tu dis. Moi, ce que je te dis, c'est que la solution de Tailin, comme tu l'as dit, n'est pas déconnante, entre guillemets. Ouais. Donc on aurait pu tous faire ce mauvais choix. Ouais, c'est-à-dire, l'idée, c'est... Je vais essayer de bien comprendre. Ton idée, c'est qu'à la rigueur, je puisse éventuellement, pour pas punir Tailin, parce qu'il a une solution qui est pas déconnante, faire passer le bon portail sur celui de Tailin et vous tous vous mettre dans le mauvais. Ouais. Même si c'était celui qui était prévu comme étant bon à la partie. D'accord, ok. C'est ça. L'inverse. Alors, supposons que ce soit Tailin qui ait choisi en vérité le bon portail et que le reste du groupe ait choisi le mauvais, faire changer pour punir que la minorité et faire en sorte que du coup le bon portail soit pour la majorité. Après, là, on s'éloigne un peu. Surtout si la logique est pas déconnante. On s'éloigne un peu. Voilà. Et bah pour moi on s'éloigne pas tant que ça parce que du coup c'est le même genre de situation, c'est-à-dire que t'as un joueur du coup qui va dans son schéma de français, qui va pas suivre le mouvement de groupe ou qui va influencer le mouvement du groupe. Donc dans ce cas-là, Hyacinthe qui dit on va se planter là et on va les gérer parce que moi j'arrive pas à monter cette putain de colline. Ouais. Et
Le choix est déconnant parce que tu nous as dit clairement c'est un scénario de fuite et en plus la moitié de l'équipe est partie. Ouais. Mais sur le moment, lui, il voit pas d'autres alternatives et d'autres choix dans ses options. Mmh. Et tu te retrouves du coup dans cette situation ouais. de merde où toi en tant que MJ, t'as pas forcément prévu ça. Mmh. Ah bah, pas et il faut voir comment en fait comment t'arrives vraiment à sortir ce mec-là. Donc ouais. toi, tu dis donner les infos, c'est bien. Et après, pour les joueurs, je pense qu'il faut surtout être énormément à l'écoute du MJ, mmh. même si c'est un peu méta. Ouais. Alors, c'est... Ouais. ouais, c'est vrai que alors, là, par exemple, mmh. j'avais pas de map, j'avais pas de token, et c'était la merde. Ouais, c'est ça. Parce que là, pour le coup, il y avait aussi ça, en fait. Je l'ai pas mis en compte dans les infos, parce que... Ouais, parce que c'est méta. C'est très méta. Sans rentrer dans la méta, mais justement, pour le coup, on avait ce côté méta de il n'y a pas de map, il n'y a pas de stat block pour les ennemis, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Le combat n'était pas prévu. Enfin, il faut se rendre à l'évidence, le combat n'était pas prévu, donc on ne pouvait pas l'avoir. Ouais. Donc, c'est là où pour moi. C'est là où pour moi, en fait, c'était ça allait dans le sens en fait, de mon chemin de pensée qui était que soit la charge était létale quasiment automatiquement, soit j'allais tomber au sol et ils allaient me capturer. Mais en fait, si tu veux, je me suis dit, ok, il n'y a pas de combat. Donc il n'y a pas de combat en fait. Et si mmh. et donc du coup, j'étais pas. En fait, moi j'ai pris ça dans le sens, je suis pas autant en danger que tu. Tu vois, j'ai pris ça dans le. De le ouais, justement, on en reste dans l'idée du schéma de pensée dans lequel tu te ouais. fossilises un peu en fait. Alors justement, je vais juste finir avec une dernière question. Ça rejoint ce que disait Rectosis avec le coup des portails notamment. Qu'est-ce que tu fais quand t'as épuisé tout ça? Que tes joueurs font pas du coup sont dans leur truc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois c'est juste que tu te montes la tête en disant alors je peux faire ça puis ça puis ça puis ça et du coup ça permettrait de sortir de la situation en faisant ça à la fin et que bah t'as donné tes éléments de description en disant que là c'était dangereux, t'as pas écouté, t'as un PNJ qui s'est directement impliqué en disant ne vous séparez pas. Et là j'en viens à ce qui s'est passé par exemple vendredi et ce qui s'est passé mardi surtout. Et on te dit non mais on gère, on s'en fout. Quel est le dernier recours du MJ à ce moment-là, s'il y a un dernier recours pour le MJ? Alors si le groupe a vraiment pas écouté, il y a un moment faut que le coup presse sa batte, je pense. Ouais, et si t'as un personnage notamment, par exemple un meneur dans ton groupe, qui va être celui qui va dire non mais on split quand même, on s'en fout, est-ce que tu vas tuer aussi les 5 autres? Moi je suis d'abord le meneur. Ouais, c'est ça. En vrai, oui. Ouais, et après. Parce que. Ouais, c'est ça. Et au final, le groupe, il est aussi en tort parce qu'il a. Il a suivi. Pas remarqué que ce que le meneur disait. Il a suivi. Après, alors, j'arrive à la question, à la remarque de Zebac tout de suite. Juste pour dire. Tu tues d'abord le meneur, ok, c'est très bien. Mais par exemple, tu te mets dans la situation du vendredi soir sur Strad. Le meneur qui a décidé de lancer combat, il est done. T'as les 5 autres qui se retrouvent du coup en combat contre 8 loups et un dire wolf. Et un loup sanguinaire. Il n'y a pas de raison que les 9 loups, après avoir goûté le sang du premier, se disent subitement qu'ils vont laisser les autres tranquilles. Tu vois. C'est ça la situation que je trouve compliquée. Zedbag qui voulait interagir. Ouais, moi c'était juste. Je suis juste pensé à quelque chose. Plutôt que de tout de suite faire tomber le châtiment suprême sur celui qui a eu la très mauvaise idée, du coup, de. Par exemple, de dire de séparer. Ouais. De refaire surgir la menace, pas par un PNJ qui va dire non, mais c'est vraiment très très dangereux là-bas. Ouais. Mais par une action directe ou indirecte de la menace. Qui fait que 5 minutes après qu'ils soient séparés, ils se rendent compte qu'ils viennent vraiment de faire une connerie et qu'il est encore temps de faire demi-tour. Ouais. D'accord. Bah, par exemple, je sais pas, quand ils se sont séparés vendredi, que tout après, ils se rendent compte qu'il y a énormément en fait, de loups, etc. Et que il y a du coup, il y a une possibilité de menace. Ouais. Ou alors qu'ils retrouvent, je sais pas, deux cadavres de plus. Après, ça dépend. Ouais. Enfin, c'est ouais, par exemple, coup, ça modifie d'accord. un peu le scénario. Ouais. Mais de tomber face à une conséquence directe, que c'est pas n'importe quoi. Il y a un vrai danger. Ouais. Après. Et que du coup, ça peut faire retrouver la lucidité à certaines personnes. Ouais. Après, ça, je suis d'accord. Mais après, à partir du moment où justement, on va te dire que t'as déjà eu, par exemple, 4 cadavres qui ont été retrouvés le matin. Par exemple, c'est ce qui est arrivé le mardi. Le mardi, on leur a dit, il y a 3 personnes qui sont disparues durant la nuit, qui sont probablement faites buter. On split. Il y a le PNJ qui leur dit ça, qui
insiste justement sur ce danger en leur disant, mais il y a trois personnes qui sont juste faites volatiliser, qui sont juste faites vaporiser. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir split? On split. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, genre, de toute manière, ils sont tellement enfermés là-dedans qu'ils vont forcément split? Ouais, that bag. Bah, alors, c'est le truc, c'est que moi, alors, moi j'ai écouté, enfin, j'ai réécouté la rediff un peu en off en faisant quelque chose d'autre. Ouais, pour vendredi. Après, là, attention, je parlais de mardi. Ouais. Ouais, de mardi. Mais oui, mais, du coup, moi, je ne parle que de vendredi parce oui, que. Oui, bah, mardi, ça parce que c'est le seul exemple que j'ai. Ouais. Moi, de ce que j'avais retenu, c'est que tous les gens qui avaient été tués, ils avaient été tués seuls, isolés, dans la nuit, ouais. Pas forcément en étant au courant ouais. du danger. Tu te dis que quand même, à trois, en cherchant le truc, tu peux quand même... c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport de force, et c'est peut-être pas si dangereux que ça. Et après, alors... voilà, moi, c'est mon point de vue, alors que je faisais pas forcément extrêmement attention aussi... Non, là-dessus, je te rejoins. Moi, je dis même, quitte à faire des trucs qui sont presque à la limite de ce qu'autoriserait le scénario. Genre, par exemple, c'est quoi? C'est le ranger qui a des idées à la con. Tu mets un cadavre de ranger, mais tu fais en sorte que les gens sachent que c'est un cadavre de ranger sur le chemin. Et en fait, genre, ça leur dit, c'est pas juste un civil de merde niveau 0 avec 3 HP qui vient de se faire retourner. C'est potentiellement un PJ quoi. C'est le même niveau que nous. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne chose. Ça. C'est un bon truc ça. Ouais. Et après. Attends, vas-y, Rectosis fini après Flynn. Ouais. Je vais juste après dire la chose suivante, c'est que si ton PJ en fait de toute façon est. Ça c'est l'autre truc du vendredi. Si tu vois qu'il y en a un qui fait de la merde et que tout le monde a chopé l'information que ce mec là faisait de la merde. Ça veut pas dire que c'est le moment de te retourner pour aller chercher son cadavre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que tu assumes dans ta décision personnelle que quelqu'un a fait de la merde, ok. Ouais. Il en paye les conséquences, ok. Mais ça change pas que si de toute façon il fallait fuir, c'est pas le moment où t'es genre « Je suis un héros !» Non, 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 la musique elle s'arrête, tu prends tes jambes à ton cou et tu vas jusqu'à la grille. C'est ça, c'est qu'il y a un moment où il faut comprendre qu'il y a une nuance entre combat. Quand tu comprends que le combat n'est pas faisable de toute façon, on s'arrête. Un mec a pris son choix, c'est sa destinée de mourir apparemment. Aujourd'hui c'est lui, demain sera peut-être moi. Mais je me casse et je fais ce que je dois faire pour survivre. T'es pas obligé de le suivre dans ses conneries parce qu'on est un groupe. C'est pour ça que justement il y a la question du split qui est parfois dérangeant. Il y a parfois où tu dois split parce que ton perso a un cerveau. Donc voilà, ouais. Vas-y Flune, je t'en prie. Ça c'est si toutes les solutions qui sont énumérées ici et qui sont très bien. J'avoue que j'y pense pas. J'avais déjà pensé à des groupes d'aventuriers qui sont déjà morts, mais spécifiquement des aventuriers de même classe, c'est super intéressant. L'arme finale, la bombe nucléaire de la séance, c'est de suspendre directement la séance au point le plus crucial où tout le monde va mourir pour une action à la fin et là. Prendre une bonne pause, histoire que tout le monde. Respire un peu, soit plus dans le feu d'action, on se dit. Quitte le schéma de pensée. Voilà, exactement. Leur dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Quelles informations vous avez sur la situation? Parce que parfois, ça peut être un problème de communication entre le MJ et ses aventuriers. Et ben, après, bon, une fois que tout ça a été dit, que ça a été clarifié, reprendre la séance et advienne que pourra. Après, tu peux plus les sauver. Hein. C'est clairement ce que Chagar aurait dit. Le connaissant, je sais que c'est comme ça qu'il aurait vu la situation aussi. Le fait de en tant que MJ, poser des questions en mode vous êtes sûr d'avoir tous les éléments, machin, et puis les laisser réfléchir. Je pense que c'est comme ça qu'il ferait. Ça va être difficile quand t'es MJ qui est dans la situation de se mettre à la place des joueurs et de voir ce qu'ils pensent. Ouais. Par exemple, le cas d'Hyacinthe, moi, même en tant que PJ, si tu veux. Ah, mais attends, je sais pas ce que j'aurais fait non plus. Hein. Oui, mais je sais pas ce qu'il était en train de penser non plus, tu vois. Donc, je pense que ça aurait pu aider. Après, si c'est une arme qui est lourde, qui brise un peu le. Qui brise le cours de la séance, c'est sûr. Ouais. Ça peut permettre de faire une pause, qui est pas non plus en soi très négatif. Mais voilà, c'est pas une arme qu'on peut utiliser systématiquement. Ok. En vrai, dans le cas de samedi dernier, ça aurait pu être bien, parce que comme ça, Eledri, il aurait eu 10 minutes pour aller chercher des tokens et des maps. Hein. Tu sais que j'ai failli le faire, puis je me suis dit, allez, on en a déjà fait une, on arrive en plus à la fin de la séance, si je mets une pause maintenant, autant arrêter maintenant, mais je voulais pas arrêter maintenant non plus.
Parce que je me voyais mal, genre prendre une pause de 10-15 minutes, alors que techniquement il restait genre une demi-heure, trois quarts d'heure de séance, même pas, parce que c'était compliqué quoi. Ouais, mais je pense qu'en 5 minutes on aurait tous été sur la même page, notamment pour Gwelledine et Yastinthe. Ouais, non, mais faire. Vous aviez vraiment à communiquer. Ouais, non, mais tout à fait. Moi, je prends tout à fait la remarque de Flune, je la trouve très intéressante. Notamment le moment, c'est ça, où tu annonces qu'il y a une charge de cavalerie, parce que moi, c'est le moment aussi où, en tant que joueur, même en tant que joueur, je me dis, ok, pourquoi une charge de cavalerie? C'est-à-dire que là, on arrive sur la plaine, et pile qu'on arrive sur la plaine, on s'est chargé. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes chargés? C'est ce que j'avais dit déjà. Ouais. Et si jamais c'est le cas, il y a une sorte de fatalisme qui s'installe, c'est en mode, bah en fait, c'est fini, c'est une putain de charge de cavalerie, c'est le truc qui te défonce des gens à pied, quoi. Tu peux rien faire contre ça. Et tu peux dire, soit j'ai pas de chance, soit c'est pas dirigé sur moi, et t'as encore moyen de faire un truc, tu vois. Voilà. C'est aussi pour ça que Sébastien split, parce que justement on avait aucune idée de qui était la cible. Et du coup, Sébastien, c'était est-ce que c'était le village, mon village avec ma famille qui est visé en fait. Ok. Mais alors, du coup, alors j'ai une petite question pour Sébastien. Dernière question, et je vais conclure. C'est ce que moi je me suis dit après en tant que joueur, c'est pourquoi est-ce que Sébastien du coup prend le thé avec ses parents alors qu'il sait qu'il y a une charge de cavalerie qui va arriver dans 2 minutes. Bah parce que il a eu juste il avait pas l'air trop Par contre, ça c'est peut-être un truc qu'on va garder pour tout de suite après la séance puisqu'on quitte le sujet du dernier discussion là-dessus. Ouais, mais ce sera peut-être pour l'after entre PJ, ouais, ça m'intéresse aussi beaucoup mais ça sera peut-être pas pour tout de suite. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, juste pour conclure. Bon, déjà, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir, vous m'avez dit beaucoup de choses intéressantes, je remercie le chat aussi d'avoir participé. Pour terminer juste sur le dernier sujet, comment transmettre l'info entre MJ et PJ. Et notamment, du coup, pour pouvoir éviter d'avoir ce dont on a parlé dans la première partie de la soirée, des morts. Vous m'avez dit beaucoup de choses. Posez des questions déjà pour avoir éventuellement des indices, des propositions d'action. La possibilité d'intervenir sous la forme d'un PNJ pour essayer d'aiguiller un peu le cours de l'action. Faire surgir la menace de manière certaine, vraiment assurée, quitte à customiser un peu la menace dans le cas d'un split pour essayer de toucher directement le meneur. Donner des signes également dans ses descriptions de la faisabilité ou non de la tâche. Et en tant que PJ, deux choses vraiment principales. Éviter les personnages qui sont suicidaires d'emblée, parce que ça c'est mal parti. Apprenez à connaître votre MJ et aussi à connaître les autres PJ, je pense que ça on n'a pas trop parlé tout de suite, mais si vous avez d'autres PJ qui vous disent « t'es sûr que tu veux faire ça ?» Moi j'aime pas l'idée. Ça typiquement vendredi, quand il y a eu le split justement sur les trois, il y en a eu deux qui ont direct réagi en disant « on devrait attendre les autres ». C'est le troisième qui leur a fait « attendez-les si vous voulez, moi j'y vais tout seul ». Et dans ce cas-là, ils l'ont suivi parce qu'ils se sont dit qu'il allait mourir d'autant plus. Ça fait penser également à quand vous étiez à Garidon dans la faille, avec Gwelledine, Kirillia et Sébas, que les trois sont fait capturer, justement, qu'il y a eu ce fameux mur illusionnel qui s'est révélé avec la voix de Ziredine qui se faisait entendre, qui appelait à l'aide à l'autre bout, et que Gwelledine a voulu aller voir ce qui se passait. Kirillia et Sébas ont dit on devrait attendre les autres, quitte à garder l'entrée pour pas qu'il y ait des gens qui puissent sortir ou des gens qui puissent rentrer, mais je veux pas y aller, ça, je pense que c'est un piège. Gwelledine a eu son investigateur de Call of Toulouse qui a été appelé directement par l'ouverture, a décidé de rentrer, et c'est là qu'Iri et Sebas ont eu le choix du coup de soit le suivre dans le split, en sachant que c'était dangereux, mais en se disant que ce serait moins dangereux s'il venait avec lui, ou en le laissant partir tout seul, auquel cas c'était peut-être la mort assurée. Du coup, être à l'écoute de son MJ, être à l'écoute de ses compagnons de table aussi, ça c'est important. Et la dernière option que proposait Flune à la fin, prendre une pause. Chacun prend 5-10 minutes, on remet tout à plat, on serre un peu l'esprit, et peut-être que c'est là qu'on se rendra compte que le schéma de pensée, il y a peut-être mieux à trouver, qu'il ne faut pas s'enfermer dans le schéma de pensée dans lequel on était parti pour s'enfermer. Rectosis. Je vais juste rajouter un truc, parce que je viens de voir la question dans le chat de Baphobit, qui sera sûrement le sujet d'un autre discussion. Ouais. Sur le PVP ? Ouais. Je pense que c'était pour rigoler, mais peut-être me corrigera-t-il. On sait jamais. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, tu peux régler en PVP, qui est le meilleur du groupe. Je trouve que c'est jamais une bonne solution, ne serait-ce que pour la cohésion d'un groupe. Et c'est pour ça qu'en vrai, moi, je ferais bien un truc sur un thème sur le PVP, mais... Volontiers. De manière globale, c'est pas censé être la bonne solution, entre guillemets. T'es censé pouvoir trouver mieux en évitant, justement, que t'aies un PJ qui meurt de la main d'un autre PJ. Ce qui
y a une situation encore pire. Après, le PVP c'est vraiment pas. PVP, tu vas pas aller tuer en règle générale, tu vas. Genre, tu sais, c'est vraiment en mode chef de meute où tu vas essayer d'assurer ta domination sur l'autre membre du groupe. Mais du coup, je suis d'accord avec ce que tu disais au début, c'est que, ouais, pour la cohésion sur le long terme, c'est pas terrible parce que ça, dans 50 séances, il y aura toujours le souvenir de. Ouais, tu te souviens de ce moment-là où j'ai dit ça, t'étais pas d'accord, tu m'as pété la gueule. C'est pas forcément top déjà de manière générale entre les joueurs. Une autre. C'est ça. Comme par exemple le PVP entre genre Zach, Zoc et. Kadat. Comment il s'appelle depuis Kadat. C'est ça. et Kadat justement sur ces questions de. Aussi un peu de direction du groupe, de quelle est l'attitude que doit avoir le groupe par rapport au monde, par rapport aux autres PNJ. Ça a apporté effectivement des lourdeurs qui étaient de plus en plus difficiles à gérer au fur et à mesure que bah justement ce PVP là il se multiplie. Et le truc aussi, je rajouterais, c'est que tu crées un précédent quand tu fais ça. C'est que si pour une décision tu décides que la meilleure solution c'est de se foutre sur la tronche pour savoir qui a raison, bah t'as de grandes chances pour que du coup la prochaine fois qu'il va y avoir une difficulté de décision dans le groupe, bah le réflexe ce soit de se foutre sur la tronche. Et ça va devenir très très chiant pour tout le monde très très vite. Bah, c'est-à-dire qu'à la fin tu deviens un groupe de mercenaires où en fait la seule loi c'est la force dans le groupe. Et, c'est ça. Et le jour où tu deviens faible, tu te fais tabasser. C'est dur, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok, bah sur ce, je vous remercie tous les 5 d'avoir été avec moi ce soir sur un sujet qui vous a beaucoup motivé, je vois, beaucoup mobilisé. Je remercie les gens, nombreux encore une fois, qui nous ont suivis. Et il me reste à vous dire, du coup, 3 petites choses. À vendredi 20h30 pour l'épisode 2 de Curse of Strahd. On espère qu'il y aura moins de fatalités. À samedi pour l'épisode 35 de la campagne. Oh, on a un pompon sauvage qui est arrivé en haut à droite, c'est magnifique pour la fin. Épisode qui sera absolument croustillant. Un épisode qui va être très croustillant puisque va y avoir beaucoup beaucoup de RP à faire. Et je pense que entre ce que vous allez découvrir à Allenvel dans la forêt de Bogwitch, entre ce que va faire Tianor parce qu'il m'a déjà donné quelques petits indices des bêtises qu'il va faire samedi, et bien sûr la discussion mémorable où vous allez vous apprendre mutuellement la mort de Hyacinthe si Gwledin survit pour porter l'évangile. Ça va être hyper intéressant, je pense. Dimanche, one shot de Pâques, on va voir si on le stream, c'est pas sûr. Peut-être, peut-être que non, ça on vous tient au courant. Et Rectosis, semaine prochaine. Semaine prochaine, mais moi je le stream pas. Mais oui, ouais, j'ai ma campagne 10 fois dans la semaine. Ouais. J'ai le début de Candle Keep qui va être le mardi soir et le jeudi soir. C'est ça. À quelle heure, rappelle-nous. Nous, normalement, ça va être 21h. D'accord. Qui va être une série d'OS. C'est l'histoire du bouquin officiel Les Mystères de Candle Keep qui se passe dans une librairie où chaque livre amène à une aventure. C'est ça. Avec deux groupes d'aventuriers assez différents et assez fameuses, je pense. C'est ça, ouais. Deux groupes différents, du coup, qui ont été recrutés sur notre Discord. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer pour discuter avec tout. Je vous remets le lien dans le chat. Si jamais... Alors, d'ailleurs, une chose importante. Normalement, à partir de samedi, je pense peut-être dès vendredi soir, je croise les doigts, on aura enfin fini la paperasse pour l'affiliation Twitch, qu'on a depuis maintenant 5 semaines, techniquement. Et donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, normalement, Rectosis me dira si je me trompe, mais au moins pour à partir de mercredi prochain, vous aurez le système de points de chaîne, et donc la possibilité de passer en vocal lors des dernières discussions pour nous donner votre avis, poser vos questions directement, puisqu'il y aura un petit coup en point de chaîne pour ceux qui suivent les campagnes. Recto. Mercredi, c'est sûr, sinon les bureaux de Legal Start vont brûler. Voilà. Il sait de quoi il parle, il l'a déjà fait. Je vous laisse réfléchir aux implications de cette dernière phrase. C'est un corps, ce qu'il sait faire. Mais je l'ai souvent dit, Tianor, c'est un meilleur humain que moi, hein. Je ne vous laisse pas réfléchir aux implications de cette dernière phrase car ça vous empêchera sans doute de dormir. Il me reste à souhaiter à tout le monde une excellente fin de soirée, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous en cette période de confinement. Tianor is real, Tianor is here. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à vendredi soir 20h30 j'espère pour Curse of Strahd. Ciao. Bonne soirée. Des bisous.